cette musique. Les fleurs, je pense qu'il est l'heure de se retrouver. En vrai, je crois que le live a commencé. Donc, je crois, il me semble. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans cette deuxième journée de Zilan avec le FCF, le FC Fleurs, bien sûr. Coucou à toutes et tous. Je suis sur Twitch ou un festoche. Un festoche, mon pote. Non, mais j'espère que vous allez bien. On est plutôt très très chaud. Qu'ils sont beaux. Oh, c'est très gentil. On est plutôt très très chaud pour aujourd'hui, messieurs dames. On s'est reposé, on a dormi à peu près 6 heures cette nuit, ce qui est ok. Bon courage pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous rappelle un petit peu tout ce qui va se passer aujourd'hui, parce que du coup beaucoup de choses de prévues. Tac tac tac. On est chaud. Bah, ça fait plaisir. Merci beaucoup hein, d'être là et de soutenir. C'est trop cool. C'est juste trop cool. Qui peut me regarder dans les yeux et me dire que je ne suis pas hypé? Je suis très hypé aussi. Alors le programme de la journée, messieurs dames, il est très simple. Vous l'avez juste ici, je vous l'affiche juste ici. Voici le programme de la journée. Donc on va commencer sur Trial Rising, Trials, donc le jeu de moto, etc. Ensuite ce sera War 3, puis Quake et enfin Trackmania. Ça c'est pour les phases de poule. Nous, vous le savez, au niveau du classement de la phase de poule, on est pour le moment quatrième. À 1 point du 3ème et à 2 points du 2ème. Mais aussi à 1 point du 5ème. C'est-à-dire que c'est hyper serré. Donc on va tout donner. Et puis on verra bien. Voilà. C'est hyper serré. C'est vraiment très très serré. C'est stack. C'est très stack exactement. D'ailleurs, on a un lien, je crois, pour le classement. Pour qu'on puisse le regarder un petit peu tout le temps. Attendez, je vais me unmute quand même TS. Au cas où si les copains débarquent. Quand même. Voilà. Tu m'entends, Onu? Allô? Ah oui, oui. Ça va ou quoi, frérot? Bonjour, bah mec, extrêmement bien. C'est énorme, mon dieu. C'est pas comme si on s'était vu ce matin. C'est pas comme si on avait dormi en fait à 10 mètres l'un de l'autre. Ouais, voilà, c'est carrément dans le même appartement. Mais ça va, tranquille. Bon, toujours tranquille. Bien depuis tout à l'heure, du coup, hein, depuis ce matin, ça régale. Hein. Ouais, bah pareil, mec. Je fais un petit point quand même avec un petit peu tout le monde, où est-ce qu'on en est, etc. Donc en gros, ce que j'expliquais, c'est qu'aujourd'hui, on va jouer Trial Rising, Warcraft 3, Quake Live, Trackmania. Des jeux sur lesquels on a nos petits trucs à jouer. Le lien n'est plus valide. Merci Clacla. Merci beaucoup Clacla. Regardez, vous avez les classements des phases de poule qui sont ici. Et donc comme vous pouvez le voir ici, alors c'est tout petit, désolé, je peux pas mieux faire. Je peux peut-être faire ça, mais c'est pas très beau quoi. Comme vous pouvez le voir ici, on est donc quatrième. À 1 point des troisièmes, à 2 points des deuxièmes. Mais aussi à 1 point des cinquièmes. C'est vraiment extrêmement serré. On peut difficilement faire plus serré. Voilà. Tout va se jouer aujourd'hui. En gros, rien n'est perdu, rien n'est gagné. Bon, ça c'était déjà sûr. Ah, ça va être entendu, on va tout donner. Ça va être chaud. Là, vous pouvez le voir, c'est la team SOS qui est deuxième, Skytoslo et Zoro. Team SOS qui, c'est des gros gros joueurs, mais ils ont surtout marqué beaucoup de points sur Battle Rite, avec leur première place quand même. Donc derrière, on va voir ce qu'on est capable de faire. La première place sur GeoGuessr nous met très très bien sûr. Mais en même temps, la sixième place sur Battle Rite nous a mis au fond aussi. C'est vrai, et donc pour être qualifié, on le rappelle, il faut faire un top 2, soit top 1, soit top 2. Ouais. Donc on est actuellement quatrième, mais très close du top 2. Oui, bonjour, oui. Ah, Justin, bonjour Justin. Oui, je suis là. Bah, il va bien. Ouais, non, bon, on parlait un petit peu, on faisait un petit compte-rendu pour les gens qui n'auraient pas trop suivi, donc notre classement qui est pour le moment quatrième, mais bon, c'est hyper serré. Enfin, je veux dire, là, au prochain jeu, on peut tout à fait être sixième comme on peut être deuxième. C'est-à-dire qu'en fait... C'est hyper serré. Je vous rappelle les jeux Trial Rising, War 3, Quake, Trackmania pour cette suite de phase de poule. Enfin, voilà quoi. Ouais. J'avais oublié de vous mettre sur le stream, personne ne vous entendait donc. Ah ok. Non mais y a pas de soucis, Justin qui nous déteste encore une fois. Je vous exècre. Encore une fois, cette ambiance de merde hein, qui ressort gros de cette drama équipe. Dans la team. Avant c'était que Justin et moi, maintenant en fait c'est Justin qui... tout le monde. Oh, c'est juste un... avec est-ce que ce personne. Serait pas juste moi le problème? Bah si. Si. Ouais. En vrai, j'osais pas te le dire Justin, mais pour moi t'es un problème à la team. C'est vrai? La première place d'hier nous met mal. Bah écoute, salut. Non mais joue au moins Trials. C'est un relais. Non mais joue Trials, va, en vrai joue Trials. Après Trials. Après Trials, ok. Ouais, joue Trials. Ok, donc je fais mes trucs et puis après je me casse. C'est ça, Trials. On fait tous les jeux en vrai. War 3 en vrai, je jouerai à ta place. Ouais. Non, en vrai, ce matin on a train War 3, il y a un truc. Il y a un truc. Oh, par contre, je suis insupportable, hein. C'est-à-dire que pendant... Moi je suis... Alors... C'est pas mieux. Je suis le plus gros backseater de l'histoire, je crois, non, sur War 3. Par contre, c'est ce pas que appuyer sur nos touches, hein. Parce que je sais que tu vas avoir envie d'appuyer, mais ah ouais, c'est horrible. Si t'appuies, c'est chaud, je crois. On a train tout à l'heure, et vu que c'est un peu mon jeu, War 3, enfin par rapport à nous trois, c'est un peu mon jeu. Du coup, j'étais immonde ce matin.
J'ai, mais vraiment, mais Backseater Pro, mais vous avez jamais fallait, vu ça. Fallait, ah, mais moi, je veux que tu me backseat ici. Je veux que tu me backseat. T'inquiète pas que tout à l'heure, je vais aussi bien te backseater aussi. Oh, casse-moi les couilles. Ouais, et tu sais ce que je vais faire même. Je pense que ce que je ferai, c'est que je prendrai le micro d'ONUTREM, si ça te va, ONU. Et en gros, je me mettrai à côté, parce qu'on va jouer War 3 sur mon PC. Donc je pense qu'on se mettra là. Et en gros, moi, je vais m'asseoir là et j'aurai le micro pour que tu m'entendes dans le. Le son est partagé, donc. Oui, le son est partagé, mais pas dans le micro. Mais dans le. Enfin bon, mais on s'arrange. C'est une backseat, via le micro de nuit, quoi. Voilà, exactement. Ouais, c'est ça, voilà. Sur TeamSpeak, voilà. Le mec, il te laisse pas jouer. Ah non, mais je suis horrible. Tout à l'heure, j'étais vraiment horrible. Je mettais mes doigts sur l'écran et tout. J'étais en mode là, puis ça, derrière ça, puis ça. À un moment, il prend le clavier, il nous frappe et tout. Enfin bref. Hâte de voir ça. Mais bon, donc c'est censé commencer à 13h, on va commencer avec Trials Rising, qui est pas le jeu sur lequel moi je suis le plus à l'aise. J'ai des mates assez confiants quand même. Ouais. Tant mieux. Va falloir rassurer, va pas falloir choke, ne pas céder à la pression. Et c'est ce que je disais, on va les jouer les uns après les autres. J'adore. C'est-à-dire qu'on va être derrière Ponce et on va lui mettre la pression de ouf, quoi. Yes. On va être derrière toi, on va être là, juste à te regarder, les bras croisés, on va dire bon bah voilà. Yes. Là il a reset, c'est une grosse merde, quoi. Yes. Ouais, non, en vrai. J'ai vu ton training tout à l'heure là, j'étais juste derrière toi, tu as fait des trucs. Ah, y'a un truc à aller chercher quoi, mais. Y'a un truc à aller chercher, Moi j'étais recherché mon platine à quelques centièmes sur la map, la Aftermath. Par contre, Shanghai, on verra. Ah, mais ça va être trop compliqué pour tout le monde. En fait, ça dépend de mon humeur, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de plein de choses, ouais. La vélocité, le vent, enfin bref. Ça, je crois pas, mec. Non mais oui, mais. Ça, je crois pas. Non, mais c'est vraiment l'endroit, l'angle où on atterrit et tout. Ouais. C'est vrai que ça, c'est très dur à régler sur une map comme ça où il y a énormément de pentes, de trous, de sauts, de bunny à faire et d'atterrissage aussi. Très compliqué. Très complexe. Ah, c'est une map difficile, quoi. C'est littéralement une map difficile. Ah, clairement. La plus dure du map pool. Oui. Ça commence à quelle heure, messieurs dames? Normalement, c'est censé commencer à 13h. Bon, après, c'est une LAN, hein, donc on est toujours un petit peu en retard. C'est censé commencer à 13h. Comment ça va se passer, Trials? On est chacun sur nos PC, mais dans la même room, en gros. Et on va enchaîner. Moi, je vais faire les deux premières maps. ONU fait les. Non. Je fais les dernières. Voilà. C'est Justin moi, je fais les deux après. Premières. Justin fait la 3, la 4. Et, et toi, ONU, tu vas faire la 5 et 6. En gros, on va jouer 6 Exactement. Maps de Trials. Ah, Wingo nous attend. Ah, apparemment, alors, nous attendez. Attendu. Il faut que tu rejoignes. Ouais. J'arrive. Désolé Wingo, désolé. Je vous rejoins où d'ailleurs? Il faut que tu fasses, tu regardes dans tes amis, normalement c'est avec Shift. Tu rejoins Wingo sur Uplay directement. Shift F2 et tu devrais trouver normalement tes amis. C'est un enfer. Mais Justin, attends. Mais va dans. Là. Ok, tu rejoins Wingo. Rejoindre, c'est bon, j'ai rejoint. Ok, parfait. Donc c'est Justin qui rejoindra après, donc là bah, on aura qu'une POV, on peut pas spectate nous d'ailleurs, je bah, crois moi, pas. Moi je vais mettre littéralement le stream de Ponce oui, bah, sur mon ça. Stream, on va voilà, faire ça de toute façon, je vais comme littéralement ça, faire ça. Un peu stressé j'avoue par cette épreuve qui est un peu complexe. Alors en gros c'est moi qui commence, attendez c'est quoi cette merde, vous avez pas le jeu? Ah si pardon j'ai eu peur. En gros je suis un peu stressé par cette épreuve dans le sens où je suis avec Wingo, je suis avec Kane, je suis avec Oslo, je suis avec Fusio, ça c'est des joueurs qui vont chercher des points. Et je pense dans une des plus grosses rooms honnêtement. Je suis dans... Ah oui vous voyez pas les noms parce qu'il y a la cam et vous verrez le classement au final, mais en gros je suis probablement dans la pire des rooms. Mais c'est pas grave, c'est un relais. Un relais. J'ai rien changé au final. Complètement en relais. C'est un relais. Ok. Bah moi je suis prêt, je suis là, je suis prêt. Donc ouais, c'est un relais, donc dans ma poule à moi, il y a Wingo, NHPS, Uncle, McCain, Jean-Michel Gamer, Oslo, Fusio et moi-même. En général, vous allez voir, ça va être Wingo premier, Fusio, Oslo deuxième, troisième en gros, et moi je vais essayer de me battre pour aller choper des quatrième, troisième places, mais c'est un relais. Donc après ce sera à Justin et puis enfin au Nutrem, et en gros dans l'idée... Franchement, si Trials on arrive à décrocher un top 3, c'est insane. Top 3, c'est le meilleur cas, c'est le meilleur truc qu'on peut faire. Top 3, 4, c'est cool. C'est pas horrible, mais faut pas qu'on fasse en dessous. Top 5, ça ferait mal. Vraiment, là, ça va être dur pour la suite sinon. Moi, j'ai beaucoup de pression sur le jeu en gros. Je sais pas pourquoi je me mets autant la pression sur zéro ce pression. Jeu. Mais regarde, parce que tu sais qu'on a regardé nos heures de jeu. Hein. J'ai que 3 heures de jeu de moins que Justin. Ah oui. Ah ouais. Ah ouais, vraiment. Ah ouais. Ah ouais. D'accord. T'as combien d'heures toi du coup? Parce qu'on a regardé. Où est-ce que je peux checker ça? Justin, il a quasi 18. Moi, j'ai 15. Ouais. Moi j'ai 15 heures. Je pense que t'as une trentaine. Regardez sur Uplay. Uplay, tu peux checker sur Uplay. Tu peux regarder sur Uplay.
Tout à fait. Okay. Thierry. Instantanément. Si jamais ça parle sur le Discord, je vous fais confiance pour voir, pour me dire dès que ça go et tout. T'inquiète. Je suis là. Je veille au grain. Un coup de fil, on est là. Éveillé directement de mon côté. En scrim, j'ai quand même fait un top 3 la dernière fois, donc. Bah voilà. Non, mais donc j'ai envie de me dire quoi, je peux peut-être marquer l'histoire. Non. M'écris l'histoire. Mais en fait, le truc chaud, c'est pour expliquer très rapidement, c'est que les deux maps que j'ai moi, donc vous voyez, donc c'est Light Camera Action et Alcatraz, ces deux maps là que je vais jouer moi, sont des maps qui sont entre guillemets plutôt faciles à finir, c'est-à-dire que tu restes pas sur un obstacle pendant 10 minutes. Il y en a certains chiants, mais c'est ok. Et en fait, ça rend la map plus ou moins très difficile parce que les optis sont des mini-temps à aller chercher, des petits trucs, des choses qui sont quasiment invisibles à l'œil nu. Enfin, c'est vraiment ça. Et donc, c'est ça qui fait un peu mal sur mes maps à moi. Même si elles sont plus faciles à finir, elles sont beaucoup plus hard to master, on va dire. Et donc, c'est plus ça qui me fait peur, perso. Pas de mais pression, évidemment. C'est 5 courses. À chaque fois que tu fais une map, je crois qu'on fait les maps 5 fois. Ah merde! Ah, t'as quitté le retourne vite dans le lobby. Ah, attendez! Oui. Dealer! Ah! Il y a un truc qui s'active. J'ai un problème de son, en fait, je viens de capter. Ah mais voilà, mais pas de son. Rejoins Hugo directement, rejoins-le. Rejoins le lobby avant le son. Mais je peux pas, justement. C'est bon, vous en faites pas. Non, mais je pouvais pas. Je regarde sur Discord. C'est bon. Le son. Ok, la panique, mais c'est bon. C'est réglé, ils n'ont pas lancé. C'est bon. J'ai tellement paniqué. Excusez-moi. C'est bon. Écris okay. L'histoire. Tout ce que tu voudras. Oh c'est vrai, le maillot. Ah, bah t'as pas mis le maillot, Justin. Mais écoutez, je vais pas. Et tu vois, il nous déteste. Mais. Demain en demi-finale. L'enfer. Écoutez, est-ce que... Non, mais juste... Ok, non mais ok. T'habilles comme tu veux. Ping. Mais bon, là maintenant qu'il y a les cams de partout... Justin. J'ai tellement le stress. Merci beaucoup, évidemment, pour tous vos soutiens sur tous les chats et tout. C'est vrai que vous êtes absolument bouillant. On doit être, je pense, une des teams les plus soutenues. Eh oui, ça n'a aucun sens. On les voit sur les réseaux. Hein. T'as tweeté ? J'ai tweeté, ouais. Oui, il a tweeté. Ouais, j'ai avec tweeté, la super infographie. Avec l'info de BG, j'ai tweeté. Ah, j'ai pas tweeté. Je vais tweeter. Eh oui. J'ai mis une story sur Instagram. Franchement, mec, j'ai fait mon job d'influencer. Ok. Bon, je peux pas mettre le chat sur le PC en attendant, donc je vais me le mettre sur le téléphone en attendant. Je tweet également, hein. Je vais tweeter. Ouais, je pense que c'est plutôt une bonne idée de partir sur un tweet, ouais. Complètement tweet, est-ce qu'il y a moyen de... On est dans un lobby parce qu'on go bientôt ou pas? Je pense que ça peut partir à tout moment, de toute façon on attendra le go de Zerator. Ok, bah en attendant, je vous remets, je sais pas parler, c'est énorme, le classement si jamais vous voulez le voir. Le programme de la journée, Trials, War 3, Quake, Trackmania, donc 13h là on va partir sur Trials. Puis ensuite ce sera War 3 en relais, ce sera sur mon PC ici même, puis Quake. Où on va jouer chacun notre tour, il y aura 3 games, on va jouer chacun notre tour, et puis Trackmania, que vous commencez à connaître, je pense. Et au niveau de notre pool, comme vous pouvez le voir ici, on est 4ème de notre pool actuellement, à 1 point du 2ème, du 3ème, à 2 points du 2ème, mais aussi à 1 point du 5ème. C'est hyper serré entre 5, 4, 3, 2. Voilà. C'est très stack, c'est très serré. Extrêmement stack. Bah écoute Ponce, moi j'ai tapé OV, moi je te... Pareil, moi, nous on... sur toi. Voilà. Et quelle histoire... Peut-être se mute pendant qu'on te commente, hein, parce que voilà, on veut pas te mettre la pression non plus quoi, mais voilà. Je sais pas, voilà. Non, c'est tranquille. En vrai... c'est bon ? Ouais, t'inquiète. T'es confiant ? Bah confiant non, je vais pas te mentir, mais tranquille, je vais jouer mes games, il faut que je sois détendu, il y a un peu de feeling aussi en vrai sur Trials, tu vois. Donc il faut que je sois détendu, faut pas que je sois... Sois prêt sur le jeu. Ah, sois prêt sur le jeu, ok. Sois prêt sur le jeu, ouais. Wingo a dit je lance au timer. Ah. Ok, je suis sur le jeu, c'est bon. Bon, en vrai, vous avez un peu de temps, dit-il, ok. Bon. Voilà, en vrai... Un peu de temps, bon bah, bon, on va discuter, on va préfère... ouais, mais un petit je préfère Steam. Juste mettre les résultats pour que les gens soient au courant. Hop. Hello. Les 4 premiers sont qualifiés. Non, les 2 premiers sont qualifiés. Sur Zilan, là, les phases de poule, à la fin des phases de poule,
ce sera que les deux premières équipes qui seront qualifiées. C'est pour ça que c'est très serré. C'est pour ça que c'est très chaud. Et oui. Ouais. Vous avez traîné ce matin. Ouais, ce matin, on a joué une heure à War 3, une petite demi-heure à Quake. Et un peu Trials également. Une petite demi-heure Trials aussi, ouais. Vu que de toute façon, Trackmania, on va être bouillant, on n'a pas besoin de train, quoi. Donc voilà. Bah, on aura peut-être le temps entre les jeux de façon de lancer oui, avant. Oui, bien sûr, il y aura des pauses, il y aura des moments de blanc. Histoire de se refaire au moins une fois toutes les maps, rapido. Bien sûr. Je pense que ce sera pas mal. Oui. Tout pareil. Je peux zoomer, regarder ce que ça fait. En fait, je peux pas vraiment zoomer ce que j'ai devant moi. Je suis désolé, vous pouvez le voir, c'est inzoomable. Ouais, c'est pas zoomable. Je suis au maximum du zoom là. Au maximum c'est du zoom. C'est pas zoomable. Merci beaucoup encore une fois pour tous les soutiens. Ça régale, c'est trop bien. T'as un screen en DM Twitter, tu pourras zoomer, Ponce. Ah. Ah oui. Attends, montre. Affiché. Ouais, bon après au pire, on voit là, tranquille, bim, boum, bam, bam. Effectivement, là, c'est peut-être un peu mieux, effectivement. Ah mais non, mais c'est y écrit. Ah si, c'est ça. Ouais, mais y a pas les points principaux. Enfin, principaux, je sais pas parler, en fait. Battle Rite, c'est pas bien passé. Non. Concrètement, on a Choc Battle Rite. On a fait sixième, mais après, faut savoir qu'on avait trois très grosses teams sur Battle Rite qui étaient dans notre pool. Déjà, la proba qu'il y en ait une, bon, elle est pas ultra élevée, il y en a trois. Non, voilà. C'est sûr, mais après, on aurait pu aller chercher du coup un top 4 ou quoi. Peut-être, mais si c'est vraiment bien joué, et dès qu'on croisait une de ces teams-là, malheureusement, on pouvait pas faire grand-chose. Oh. Je me focus. Ok. Je me mute. Je me focus. Non, mais tranquille, vous pouvez parler. Hein. C'est sûr, ok. Bah, on va se parler dessus, je pense. Donc, on va pas. Non, mais tranquille, on est ensemble. On est ensemble. On peut commenter un petit peu, hein, si tu veux, par-dessus. Vas-y, moi, on peut co-cast. Vas-y, co-casting, en vrai, ok. On a un tout petit peu de délai, mais ça va aller, je pense. C'est vrai. On a un coup, c'est ça. On joue une fois la map. Cinq fois la map. Cinq runs par map. Allez. Donc la première map, c'est une map qui est censée être simple sur le papier, mais dure à maîtriser, du coup. Tout à fait. Parce qu'il faut faire des efforts aidants pour gagner un peu de temps et faire la différence. Ok, ça c'est déjà pas mal. Vraiment, en donc fait, là, le truc plutôt pas mal. Hein, le truc vraiment indispensable sur ce genre d'exercice, c'est vraiment de régu et de safe. Là. Ok, ça passe, on a failli prendre là, le toit, mais c'est bon, c'est nickel. Ah, parfait, les transits sont quand même plutôt bien prises. Oui, c'est plutôt nickel, efficace, c'est nickel, c'est la propre, petite rota, c'est parfait. Propre, c'est propre, c'est beau. Je suis vraiment en train de vibrer, là clairement. Ouais. Allez, j'ai là, les jambes qui tremblent. Et pourtant, ce n'est pas moi qui joue. T'inquiète, nos pressions, en vrai, t'es bien. C'est ultra propre cette transition. Oh, c'est bien, oh là là, putain, mais bon. Mais bon, est-ce que ce serait pas notre mate, ça? J'aime ça, la putain, fin, j'aime quand vous m'en parlez. Ce que je vois, c'est beau. Il est quatrième, c'est vraiment pas mal. En vrai, c'est clean. On passe par-dessus la voiture de police, retournée. La descente. Bien joué, ça. Putain, bien joué. Putain, bravo. C'est bien. On l'a fait. C'est bien, ça met en confiance. Putain, c'est notre mate, ça. J'ai pas restart, attention. Non, bien sûr. C'est parfait. Mais c'est ce qu'il faut faire, c'est parfait. T'as joué safe. J'aime bien avec le vocal en fait, parce que je vous kiffe en fait. C'est vrai ? Allez. Bah écoute. Ouais, je préfère en vrai. Bah tout pareil en fait. Tout pareil, mon gars. Bon, après 3ème, c'est qu'un point de plus que 4, alors que c'est 2 points de moins que 2. Ça, c'est 3ème, c'est un peu la place du bâtard. Wingo, Fusio, ça sera pas possible à concurrencer. Ouais, ça fait mal quand même. Tu fais que 3ème ? C'est 3ème. Hein. Ouais, mais c'est une place de bâtard quand même. quand même. Franchement. Ah, j'avoue que c'est une place de bâtard. Oh, je me suis fait chier dessus. Allez, go ! Allez, allez, c'est reparti, 2ème fois. On y va. Ok. La mid lane, directement. La transi, on reste sans voix, bien sûr, on est enfin, tellement accroché. Ouais, je suis tellement à fond dedans que je ne sais pas quoi dire, je ne sais que dire. À part la même chose qui est que sur cette map-là, les transitions, c'est encore mieux qu'avant, c'est exceptionnel. C'est nickel. Pareil, on arrive à... Le airtime est très bon. Oh, il est très très bon. Le saut aussi, le cut qui est pris sans problème. En fait, je pense que Ponce avait un halt, il n'a pas du tout 15 heures de jeu. Il est plutôt pas mauvais, en effet. Plutôt bouillant là-dessus. Peur ici, mais ça va, y a pas de soucis. Non, c'est bien. C'est bien fait, en fait, c'est très très bien. C'est safe. Le bunny qui permet d'éviter la pente, c'est très bien fait. Oh, c'est pas mal. Arrive c'est au niveau pas mal. De la voiture, Je vais essayer de le goom lui. Non, vas-y. Fais ton jeu. C'est pas grave, tu continues. C'est pas grave.
Y'a pas de soucis. He's ok. Voilà. T'as le temps. J'ai tellement. Et Fusio a fait 6. Ah, j'ai tellement grid. J'aurais jamais dû grid. C'est pas grave, ça arrive. Joseph, j'aurais dû. Attendez quelque chose. Y'a pas de soucis. Mais les fantômes, tellement pas l'habitude aussi. En vrai, focus ça décontracte, ça déconcentre pas. Ouais, ça je me doute. Hein. Mais vraiment, focus sur ta game, fais ton truc, fais ta safe, fais ton. Humilité. Voilà, on essaye pas forcément de chercher de battre Fusio et tout. En plus, Fusio a choc, tu vois. Donc, pas la peine. Tu joues ton jeu tranquillement, pas de pression. Si tu veux faire une rota, que t'es pas sûr, tu la fais pas. Ouais, c'est ça. Tu fais au feeling. Et puis, dis-toi qu'à mon avis, peut-être Fusio il aura moins d'humilité. Il va peut-être choc un peu plus que toi. Humble. Si tu fais, voilà, humble. Excusez-moi, j'ai... Y'a aucun souci, Joe. Y'a pas de soucis, pense-tu. T'inquiète pas qu'on va se retourner aussi, nous, des fois. T'inquiète avec pas la pression, qu'on va... Oui, ça va arriver, hein. Y'a aucun problème. Un travail d'équipe avant tout. Il n'y a pas de victoire ou de défaite individuelle, c'est vraiment que de l'équipe. Oh, la transition qui est magnifique. Oh, hein. Elle est belle. Oh là là, mais j'ai envie de... Ok. Ok, on n'est pas en moins de 18, je crois. On va sauter par-dessus la... le cut qui est bien pris, hein. Mais ça, c'est pas mal, ça. Hein. La petite rota, c'est bien fait. J'ai perdu un peu de temps là. Un peu de airtime, mais c'est pas très grave honnêtement. T'as bien géré le truc. Ça te permet d'avoir une bonne accel derrière. Je suis obligé. J'ai pas le choix. T'inquiète. Mais y'a pas de soucis. C'est pas perdu. Il reste encore la fin pour faire la différence. Normalement, si tu reset pas jusqu'à la fin, ça devrait le faire honnêtement. Okay. Tour de police. Bien pris. Sixième là, je peux pas, ouais. Non, t'inquiète, en vrai c'est bien. En vrai, c'est ah, okay. le reset. Sixième, on est en reset, bon, ça va. T'as 10 rounds dans tout, t'en as 10, hein, t'en as 10. C'est bien. T'en as 10, et sache qu'il y a aussi Noren à nous. Hein. Mais McCain, il est pas parti. McCain, ou peut-être qu'il ne l'a pas, il a pas terminé. Ah, il a peut-être appuyé sur le mauvais bouton aussi. Je pense qu'il a... Ah, peut-être qu'il a Dell. Ouais. Peut-être qu'il a Dell. Il a Dell, bien sûr, Mandel, c'est pas de chance. Aïe. Merci du soutien dans le chat, hein. Merci beaucoup. Merci pour Ponce. Allez. Ok. 11 points, 5ème. C'est ok, hein. Très proche des autres. Rien n'est joué. Je soutine, c'est parti. Allez, on y retourne. Prends-y boule. Ok, c'est plutôt pas mal. On arrive pile poil sur la descente. Là, je suis bien. Là, t'es bien. De ce que je vois, t'es bien. Et humble jusqu'au bout. Oh, t'es bien. Voilà, on a pris un maximum de vitesse, ça c'est plutôt pas mal. Pas mal, ça, hein. On va regarder un petit peu au niveau du cut. Wow, j'ai pris trop cher. Il se retourne malheureusement, mais c'est pas grave. Du coup, on va prendre la safe strat en passant par en bas. Yes. En vrai, ils sont juste c'est difficile, hein. C'est un jeu qui se joue au millimètre et il y a la pression, évidemment. Hein. C'est du poil de cul, la moto est très nerveuse. Oh oui. Donc le moindre coup de joystick, ça c'est part terminé, directement. Exactement. Ça c'est propre, ça c'est bien, ça c'est cool. Bon, le moment critique est passé. La moto rappelle toujours le passage avec la voiture de police. Il peut être un peu tendu aussi, mais normalement je pense que ça va le faire. Non, c'est fait, quand voilà, c'est safe, c'est fait. Ça c'est pas mal. Dans et la c'est fin, le... c'est une quatrième place, c'est plutôt pas mal honnêtement. Quatrième, c'est bien. Fusio est cinquième, ça c'est bon. Ça c'est pas mal. T'es devant Fusio, c'est pas mal. Après, il a pris de l'avance sur une run que j'ai choc quand même, mais... Y'a pas de soucis, on va pas revoir le passé maintenant. Mais après, non, c'est non, fait. Sûr. On ne relate pas le passé. Non, on ne ressasse pas, de toute manière. On ressasse, bien sûr. C'est un plus 5. De toute façon, entre 3 et 4, c'est que un point. NHPS, ok. Puis surtout que je suis le moins bon de nous. Hein. Je précise que je suis le moins bon de nous. Enfin, je maîtrise moins les maps que vous sur Trials, en tout cas. C'est ce qu'on verra. Allez, c'est la dernière. Je crois que c'est la dernière sur celle-là. La cinquième, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est la cinquième. Je crois que c'est la dernière. C'est la cinquième. Ouais. Il me semble. Et ensuite, on passera sur Alcatraz. Alcatraz, hein, une map assez technique. Ouais, où il y aura potentiellement beaucoup de chocs chez tout le monde. Tout le monde, à part évidemment. Peut-être Wingo. Bon. Wingo, je pense qu'il va la terminer Wingo, one shot oui. Parce que Wingo, voilà, c'est le centre mais de la peine. Mais les autres, c'est pas mal aléatoire. Je... Ouais. Ça, c'est bien. Ça, ça. Oh, ça, c'est nickel. Très, très propre. Le bunny qui passe. Du coup, le cut qui passe aussi. Oh oui. Ah, la rota qui permet de garder la vitesse. C'est bien. On est stable. On retombe bien en plus sur ses roues. Vraiment les deux roues collées sur la route, hein. Les deux roues collées sur la route, c'est vraiment la strat. Oui, ça a la montée parfaite. C'est bien ça.
Voilà, on passe par la fenêtre, évidemment. Voilà, le vitrail. En faisant une rotation, un maximum de vitesse. La voiture de police. Qui passe. On arrive sur la fin. On safe, on aigu. Et on fait 4ème encore une fois, c'est Et il y a Wingo qui a fait 3ème. Wingo qui a fait 3ème. Ouais, on était à ça tout le long, ouais. Et en vrai, t'es chaud. Putain, t'es chaud. Non, en vrai, tu régales pour ça. Tu régales. Bon, c'est bien. C'est... Attention, oui. Là, c'est Alcatraz, les gars. C'est Alcatraz, c'est un autre délire. Hein. C'est Alcatraz pour tout le monde. Alcatraz. C'est Alcatraz pour tout le monde. Pour tout le monde. T'as tes strats, tu sais quand est-ce qu'il faut reset. Il y a le passage où tu vas sûrement te prendre le grillage. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, tu reset. Ou alors, si tu sais qu'il est jamais passé, au pire, juste tu prends en bas direct. Sans foncer sans grillage, tu vois ce que je veux dire? Ouais, 100%, mais c'est, même ça c'est dur, en vrai. Au mieux, limite de gagner du temps sur les gens qui vont pas le passer. Quoi? T'avais combien de points en général? Ah, je suis 5ème à 2 points du 4ème. Et par contre, il est loin le 6ème, donc voilà. C'est, en vrai, ça se gratte, ça se gratte. Ça se gratte, ça se gratte. Ah. On va gratter ça. Vraiment, hésite pas, tempo. Dès que tu peux, tu tempo. Exactement. Allez, c'est le parti. But étant le moins de reset possible, évidemment. Il y a 4 vous allez voir une map assez complexe, hein, c'est vraiment pas simple. Il y a pas mal de passages assez tricky, vous allez voir, notamment le début. Le début, il va falloir longer, donc bien ça. Aligner. Allez, faut bien aligner là, les roues au début, c'est pas évident. Ouais, ça c'est propre. Voilà, ça, c'est bien. On arrive à passer sans reset et ça c'est vraiment bien. Nickel, on prend la courbe, compliqués. On épouse la route. Voilà, il faut épouser la route, hein. Les courbes évidemment. On adore les courbes ici, et on épouse la pareil, route. Il faut épouser aussi. C'est parfait hein, de le c'est passer nickel. Du premier coup, c'est vraiment bien. On continue d'épouser, là on va sûrement toucher le portail, c'est pas grave. C'est pas grave. Reprendre la vitesse. C'est nickel. On le tente pas et c'est excellent parce que du coup on perd pas de temps, on gagne même de la vitesse avec la pente et on arrive. Malheureusement, bon, ici c'est aussi compliqué. Voilà, il faut mieux des fois le prendre en bas et ensuite épouser la route et tu remontes. Épouser, voilà. Tranquille, y'a pas de soucis. Prends le temps, y'a pas de soucis. Prends le temps qu'il faut. Y'a encore pas mal. Voilà. Ça passe par au-dessus. On va peut-être manquer un peu de vitesse. Non, c'est non, parfait. C'est ok, ça passe. Bon, c'est 5ème. C'est nickel. Ah, c'est Oslo qui a fait 7ème, ça nous met trop bien. Oslo qui fait 7ème, c'est enfin non, vraiment... il est pas encore arrivé. Par contre, faites gaffe, il y a un. Enfin, c'est pas très grave en vrai, mais il y a un peu de délai entre ce que vous voyez et ce que je vis. Ah bah oui, bien vous êtes sur le. Ouais, ah mais oui, pardon, non, je croyais que vous étiez en dessous. Ah, pardon, ça te dérange ou pas? Pas du tout. Ah, si tu veux, on peut se mettre derrière, mais. Pas du tout, pas du tout, t'inquiète. Non, tu nous dis, hein. T'inquiète. Ok. Oui, bien sûr. Tout moment, on ferme notre gueule. Après, moi, je peux juste regarder juste un point à gauche et. Juste le direct. Jean-Michel Gamer qui prend vraiment 8 points là-dessus, c'est chaud. C'est très très chaud. C'est en direct pour voir. Ouais, pareil. T'inquiète, je vois. Okay. Ouais. Ok, comme ça, peut-être un petit gameplay commenté. Non, c'est nickel. C'est parfait. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. C'est la première rampe directement. La première rampe bien exécutée. Ici, on évite la pente avec ce petit bonus, c'est bien. On prend la descente, c'est parfait. On arrive à monter par-dessus. Là, il va falloir épouser cette courbe avec la warrior. C'est pas grave, on restart direct, c'est une très bonne chose. Oui, tu restes dans le pack, c'est bien, t'as pas de retard. Tranquille, on s'est pas crash ici aussi, c'est très important. Bah, tout, il y a aucun souci, la descente. Nickel. Voilà, on épouse cette courbe, c'est parfait. Petit bunny, magnifique. Parfait. Et ça passe aussi ce passage. Chez Transi est très compliqué, mais elle passe à chaque fois. Oh, du premier coup, let's non, go, dommage, c'est pas grave, on y retourne. J'ai cru. Nickel. Ah, dommage, y'a pas de souci, allez, on continue, y'a aucun problème. Parfait. On attend les portails, c'est pas grave, ça ne passe non, pas. Non, je vais pas tenter, j'ai. Je suis un peu déconcentré en fait. Aucun souci, on y va doucement, voilà. Ça marche pas, c'est parfait. Ah, très difficile, on le rappelle. Elle est très compliquée. Très difficile. Assez de vitesse pour monter, c'est bien joué. Et on va terminer à une 6ème position. Un peu plus difficile qu'avant, mais 6ème position, c'est quand même pas si mal. Ponce, ouais. Tu vois la courbe comme ça là? Ouais. Vraiment prends là. Faut épouser. Ouais, t'as raison. Épouse juste épouse. Avant. Épouse, tu la maries, enfin tu fais ça. Ouais. Tu vas au bout quoi. Puis tu gagneras 2 secondes, je pense. T'as raison. C'est... Épouse. Allez. Il y a un HPS très chaud, hein. Ah ouais, non, mais il y a des gens très chauds. Il y a des gens chauds. C'est reparti pour la 3ème fois. Oh, ça passe. C'est bien. T'as bien géré le truc. C'est parfait, ça s'est rattrapé. Pareil, nickel. On va devoir le prendre par en bas, mais on épouse, et voilà, ça passe nickel. On épouse, ça passe bien. Oui. Pareil, là, on a encore épousé. Parfait. Encore une fois, et ça passe. Ah, cette vitesse, mais ici, c'est toujours compliqué. Nickel. Parfait.
descend, on a release, c'est parfait, c'est vraiment bien. Là, on part par le bas, comme ça c'est très simple derrière, on a un maximum de vitesse, ça c'est plutôt pas mal. On passe par-dessus le grillage, voilà. À la vitesse, on descend, humble et on finit 5ème. Bien joué, Ponce, bien joué. Ça gratte des points. Cette transi à chaque fois là, cette transi électrique, c'est infernal. Elle est très difficile. C'est infernal. Ok. Ok. Il me reste quoi, deux runs je crois dessus. Ouais, il me semble. Il en reste deux, effectivement, et après ça sera à Justin de prendre le relais sur les deux prochaines maps. Tout à fait. Ah, Jean-Michel Gamer qui me met 3 points là, il y a un rattrape hein. Après vous allez les fumer donc c'est bon. Parce que là il y a beaucoup de gros joueurs. Les très gros joueurs sont là, après on ne connaît pas le niveau des autres hein. C'est encore ça, donc peut-être qu'ils sont plus forts que nous. On ne sait pas. Ok, le début qui est très bien pris. Parfait, on ne se crache pas, on va venir épouser encore une fois cette forme. Oui, c'est magnifique. C'est vraiment bien fait. Ah, on atterrit évidemment à chaque fois sur la roue arrière, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est pas ouf. Si, c'est bien. C'est très bien, il n'y a aucun souci. C'est la transi là qui va être un peu plus compliquée. Est-ce que ça va le faire? On l'a régue hein, cette transi, franchement. C'est juste derrière quoi. C'est qu'il manque toujours un peu de vitesse, quoique. Si, c'est parfait, oh, c'est magnifique, joué. Ça passe. C'est très bien. Le release est propre. Ça remonte, tu épouses là, voilà, donc c'est parfait. On épouse, c'est parfait. Magnifique. On arrive sur la fin de la map, on rentre dans la prison. Passe par-dessus le grillage électrique, c'est bon, c'est bien fait. On est en troisième position pour l'instant. Est-ce qu'on peut aller chercher cette troisième place qui serait exceptionnelle? Une troisième place. Yes. Ok. Nice. Ok. Excellent. Fusio combien? Fusio 6. Oh, let's go. Non, mais au moins je me fais pas rattraper par parfait, Jean-Michel. J'avais peur de ça en fait. Si tu nous refais ça, c'est parfait. Parfait. C'est vraiment parfait. Oh, et ça se crache ici. Côté de ah, elle est dure cette transi aussi. Hein. Il n'a pas la bonne moto hein, et du coup il ne peut pas finir la map. Hein. Ah, il n'a pas la manche. Ça, je me dis, mais d'accord, ok. Et oui, il a la Rhino. Allez, encore une fois. C'est la dernière. Ça va. 8, 6, c'est encore vraiment rattrapable. Hein. Oui, oui. Tout à fait rattrapable. À part Wingo qui est vraiment un crack mondial. Oui, mais Wingo. C'est-à-dire qu'après, oui, c'est pas Wingo qui joue. À la fin, là, ça se dessine très fortement. Oslo est chaud par contre, Oslo est vraiment chaud. Oslo il est bouillant. Ok, c'est parti pour la dernière sur Alcatraz. On suit les cours parfaits, ça c'est bien réalisé. On épouse. Y'a pas de soucis, ça passe nickel. On s'est rattrapé hein. Petite peur, mais pas de problème. Ok, parfait. On longe, c'est magnifique. On a le contrôle total du véhicule. Voilà. Est-ce qu'on arrive à passer le portail? Oui, oh, le bien portail joué, qui passe, c'est plutôt bien. Pas de panique, pas de pression. Troisième position pour l'instant. Parfait. Oh, excellent. Le airtime était très très bon. Le fast learner. Directement. Le portail qui est passé. Wingo qui finit premier évidemment. Ah dommage, c'est pas grave. On a la vitesse au moins. On est toujours troisième du côté. C'est encore troisième. Let's go. Bien joué. Let's go. Fusio combien? Cinquième. C'est bien. Tu grattes des points. T'as été Oslo chaud. Oslo 7, c'est bien. T'as été impérial. Très très bon. On va bientôt enchaîner. Du coup, maintenant, ça va être avec Justin. On attend peut-être les informations. Ouais, tout à fait. C'est absolument magnifique. Du coup, je passe sur le stream de Bon, Justin. Je suis cinquième. Hein, je suis cinquième overall, mais on est close. On est close, je crois. Quand même. On va voir, mais là je me prends le plus 6, tac tac. Oslo qui a fait plus 1 seulement. Donc là, si on regarde le général, je suis 5ème, à 8 points quand même du 4ème, à 9 points du 3ème. Donc en vrai. Il faut aller chercher au moins une 4ème place à la fin. 3ème, c'est vraiment idéal. Vous pouvez largement remonter. Je vais tenter. Par contre, vous avez raison, safe. Parce que le seul truc qui me met dans la sauce, c'est le fait d'avoir grid. C'est ça. Sinon. Vraiment, le safe, c'est le voilà, mettre comment. Ok, bah c'est voilà. Bon, je suis sur le stream de Justin. Je vais regarder son écran, évidemment, on va aussi commenter. Ouais, merci beaucoup pour le soutien. Vous êtes des cracks. Vous êtes des cracks du soutien, merci beaucoup. Je regarde un petit peu sur Discord. Ok, on est ready. Je crois que c'est bon. Je crois que tout est bon là.
Alors, je vais mettre aussi sur le live de Justin, du coup, pour que vous ayez la POV Justin. Hop, hop, parce que c'est Justin qui va jouer à partir de maintenant. Hop. Veuillez m'excuser. Ouais, hop, ouais. Hop, hop. Twitch.tv. Twitch.tv. Je vais mute en vrai. Hop. Si tu préfères nous mute, mute nous mute. Non, en vrai, je... Parce qu'en vrai, c'est commenter, particulier. Commenter, ça reste... mais moi, j'enlève le son. Il n'y a aucun problème. Donc, Justin ne nous entendra pas. Et voilà. C'est son choix. Et je peux comprendre totalement. D'ailleurs. De ouf. C'est même. Il a raison. Il a raison s'il a envie de. Il a raison. De et focus, je voulais l'aide d'ailleurs aussi. Voilà. Je voulais que je me mute ou pas? Tu vas parler. Mais non, justement, je vais comme parler. Ça, on va voir par-dessus. Comme ça, on t'a, ouais. On aura ta réaction comme ça, c'est parfait. Ouais, je vais mais mute-nous. Ouais. Non, bah franchement, moi, je suis un peu déçu d'avoir grid un truc qui m'a fait mais malheureusement un peu. C'est pas ça qui fait la différence, hein. C'est non, pas une game mais où tu vois, t'as choke, c'est pas ouais, grave. Mais c'est tu prends un 3 points alors que t'aurais pu prendre un 6, quoi. Une game sur 10, okay. c'est vrai. Impacte pas tant que ça. Après, ça va, j'ai fait quand même 3 top 3. Ça a commencé. Du mon niveau, c'est ok, oh, ça va. Non, mais franchement, t'as fait des belles paires. Bon. Allez, on est parti sur Justin. C'est normal si ça lag un peu du coup, parce que c'est le stream d'un stream. Donc on y va. Ça commence donc, c'est avec. C'est une map assez compliquée. Ah, ça commence pas bien là. En fait, c'est une map. Si on fait une fois, en fait, c'est compliqué derrière. Parce qu'en fait, c'est une map qui. Où il faut de la vitesse, beaucoup de vitesse. Et en fait, on la joue. D'ailleurs, on la joue à la Rhino. La Rhino qui est du coup une moto qui est un peu plus lourde, un peu plus rapide que la Mantis. Mais qui n'est pas forcément toujours maniable. En fait, c'est bizarre. En fait, elle est. Censée être plus maniable, mais le fait qu'elle soit plus lourde, qu'elle ait plus de vitesse, en fait, donc elle on perd nos repères. En gros, elle a moins de peps, donc la roue arrière est moins forte. Elle redémarre moins bien, par contre, à vitesse de pointe, elle est meilleure. C'est exactement ça. Donc, c'est pour du ça coup, qu'il ne faut pas de choke, en gros. C'est ça. Parce là, qu'en ça fait, il faut tout droit, en fait. C'est la moto du tout droit, c'est la moto du feelings, c'est la moto de tout ça. C'est ça. C'est pas grave, une game de choke, encore une fois. C'est pas grave, c'est le début, c'est le temps de se mettre en place. Après, on regrette une place, tu vois, la sixième. Alors, en c'est vrai, assez marrant parce qu'il a écrit POV de Ponce. La sixième parce que j'ai raté le début. Y a pas de souci, évidemment, il s'en veut un peu, mais aucun problème. C'était la game de choc. Plus son du jeu. Voilà. Il a écrit POV de Ponce en énorme au-dessus, mais c'est pas grave. Mais j'étais pas sur le jeu. Et il y a écrit POV de Ponce, si jamais. Mais ça va reprendre, donc focus. Bien sûr. Voilà. En vrai, j'étais pas sur le jeu. Ah d'accord, ok. Après on... Ouais mais c'est un parce que go. Ouais. Allez, go. Je suis là. On vous en fait pas, une sixième place c'est plus, pas grave, c'est pas grave du tout. On va voir ce qui se passe, il y a Toon quand même qui a fait 10 points, Toon c'est la team Fusion, hein. Donc chaud, Sky qui a fait 8 et Gob qui est la team Wingo qui a fait 6, c'est chaud. J'ai l'impression que Toon est chaud hein, pour le coup, Sky aussi. Je pense que Toon est chaud, après comme tu l'as dit, c'est très particulier cette map, c'est un choc et t'es quatrième. Au mieux, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est à dire que il suffit que Justin ne choque jamais, il part. Donc là il est bien parti et voilà. Ça régale, parce qu'il faut savoir que quand il est bien parti, Justin il fait un temps diamant, c'est Justin il est chaud sur le jeu quand il... En fait c'est ce qu'on dit, c'est que c'est une moto qui va vite, c'est une moto où il faut pas de choc, si tu choques ça te détruit ta run, si tu choques pas, normalement t'es bien. Donc il a une pression énorme. Il a une pression énorme mais il a surtout un nouveau crash jeu. Pas grave. Oh non. Pas trop gênant ici, en vrai c'est pas un crash très embêtant, tu reprends vite. Ouais, pardon, mais. Ça fait perdre une place ou deux quand même, mais. Tu joues comme ça, toi? Le crash? Tu mets pas les deux roues? Tu perds trop de temps? Normalement, moi je préfère. En fait, c'est plus safe de mettre les deux roues. Bah ouais. C'est plus safe on de pas mettre. Pas obligé, deux. Mais c'est plus safe. Bah, c'est beaucoup plus safe de mettre les deux roues. Après, moi je. Oui. Mais on repasse troisième, mais ça a toujours que j'ai l'impression chez les autres, troisième place, c'est pas mal! Ok, c'est bien. C'est bien, Justin, c'est bien, mon pote! Bien joué! Allez. Je te spoil un peu parce que du coup je regarde ton écran mais y a pas de soucis mec. Après tu peux essayer de regarder aussi, tu sais, tu te recules un peu et genre mes genres là et tu verras hein. Ouais, c'est vrai que je peux. En vrai non. Non. En vrai spot. Ok. T'inquiète. Pas de soucis, je regarde en même temps que les fleurs, y a pas de soucis. Nazashi qui termine pas, ça c'est bon pour nous hein. Ça c'est super, ça c'est. Ouais, il nous entend pas, c'est vrai, mais c'est bien. Il nous a défoncé sur Battle Right. C'est vrai qu'il nous entend pas. Allez, il peut juste aller chercher une première place. Il peut vraiment. Là-dessus. Gob qui choque et Skyd qui choque, ça nous arrange beaucoup. Même si Gob qui choque, en fait, on s'en fout de Gob. C'est Toon et Skyd là qui nous intéressent. Parce qu'en fait, le truc de. Qui choque, hein, donc comme quoi. Ouais, mais le truc par rapport à Gob, c'est qu'il est dans la team de Wingo. Wingo qui a fait quasiment que des premières places. Donc là, en fait, Gob, ils sont... on l'ignore. En fait, c'est-à-dire qu'ils sont premiers. C'est quasi sûr. Premier, quoi qu'il arrive, on les regarde pas. Ce qu'il faut ici, c'est battre Toon. Skyd, Toon et Skyd, c'est les personnes à descendre ici. Gob, on s'en fout. Ça démarre bien.
ça démarre bien, c'est plutôt pas mal. Après, on rappelle que c'est un peu comme Mario Kart, hein, évidemment, je me permets de faire référence à ce jeu magnifique. C'est comme pour MK, c'est-à-dire qu'une première place donne 10 points, une deuxième 8 points, et ensuite une troisième 6, et après une quatrième 4. C'est dégressif. Et donc, ce que je veux dire, c'est... Voilà. Donc en gros, avoir des premières places, c'est monstrueux. C'est monstrueux. En gros, une première place vaut quand même, et c'est ça qui est huge, deux quatrièmes places. Ah, pour l'instant, c'est vraiment énorme. On va pas le dire très fort, mais Justin est deuxième très serré avec très bien. Il est très bien. On le laisse faire sa run, ça va se jouer au millimètre. Voilà, ça va jouer à rien. Ça va se jouer au millimètre. Ça fait que changer ça. Il faut pas de choc, il va très vite. Il est très bien. Il est très très bien, Justin. C'est bon. Énorme. Énorme. J'ai un peu de retard, mais il est bien. Ouais. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Il est bien, il est en confiance. Il nous fait des belles runs, c'est top. Justin, c'est bien, ça permet de reprendre la confiance aussi, c'est très important parce que la première map, tu te choques direct, tu fais un sixième, ça n'est pas bien. Il s'est repris très vite derrière et là, je pense qu'il est en confiance. Là, je pense que ça y est, il s'est un peu mis en confiance, il est rentré dans le bain et c'est parfait. Maintenant, ça part. Il va rattraper le retard que j'ai accumulé. J'ai accumulé donc un retard de 8 points, comme je vous avais dit tout à l'heure. C'est un retard qui est tout à fait rattrapable. Je pense que là, il va commencer à foncer pour le rattraper. On doit être déjà proche de la quatrième place, à mon avis, au général. Ça fait du bien. Le plus suite fait vraiment du bien. Alors Sky qui fait quatrième, du coup, on reprend de l'avance par rapport à la team. Enfin, on prend de l'avance. On gratte quelques points, hein, sur la team de Sky, c'est plutôt pas mal. Et surtout, nous aussi, on gagne 2 points. Non, mais aussi, c'est par rapport à la team. La deuxième place là, excellente, et là, enfin, c'est excellent ce qui se passe. Il faut que Justin continue à se faire confiance. Voilà. C'est le bunny au début qui est très compliqué. Ouais. Une fois que le bunny... La transition est vraiment propre. Hein. En fait, c'est ça qui est difficile. C'est que tu dois commencer avec un bunny. C'est-à-dire que le premier saut de la map, instantanément... La map est perdue. Hein, donc, exactement. Et donc, le premier move à faire, c'est un move qui est un bunny hop, qui est une stratégie que les speedrunners connaissent notamment, mais qui est une strat de jump qui te permet de gagner du temps et qui est quand même assez complexe à prendre. Et donc, du coup, c'est parfait. Hein. C'est super. C'est super. On est deuxième, Toon premier, Toon qui est très très chaud aussi, j'ai l'impression quand même. Ah, mais il va choc, tu vois. On espère. Il choque la prochaine transit, Toon, tu vois. Ouais, Toon. Là, ça va jouer entre. Il a trop d'avance, j'ai l'impression. Toon. Ah, quoique non. Ouais, c'est close. En vrai, c'est très très close. Ouais, humble. Et le duel, il est entre. Ah, dommage. Il a perdu beaucoup de place sur ça, c'est pas grave. Cinquième place, malheureusement, c'est. Cinquième, c'est pas si mal. Dommage, la petite transit. Dur, hein. C'est difficile. Hein. C'est dur. Il suffit map. De. C'est une map très dure. C'est une map très très dure. Cinquième place, c'est tranquille. Ça marque des points. Ok. On n'est pas là pour se faire marcher dessus, vous en faites pas. Ok. Ouais. Tandis qu'on ne finit pas la map du côté de. Nazashi. C'est une map qui est difficile en même temps. Il la termine pas. Je crois que c'est terminé pour cette map, hein, je crois. Je crois qu'il en reste une. Je dis pas de bêtises. Ah, 4 points là-dessus, c'est pas ouf. Tranquille. Il nous entend pas, mais. Tranquille. Il y a pas de problème. Et que 4 points ici, c'est pas ouf. J'en ai fait beaucoup des 4 points. Regardez où on en est par rapport. Allez, à... Allez, c'est la dernière sur cette map là. On en a pas fait ça. Ok. Dernière sur cette map. Allez. S'il peut nous claquer une. Le début qui passe, c'est important. C'est le plus important. En fait. C'est ce qu'on dit, c'est tu joues avec une Rhino, la Rhino c'est la moto qui a une bonne vitesse de pointe et un petit couple on va dire. Mais qui a à l'arrêt est vraiment pas du tout intéressante, elle a pas de vitesse, elle démarre lentement, c'est un diesel. C'est un diesel, c'est-à-dire que là par exemple ça fait un peu mal, il a perdu un peu de vitesse, c'est pas grave. C'est pas grave, au pire ça permet de bien se placer pour la descente, de l'assurer. Voilà, on épouse. On est cinquième, pas à l'abri d'un choc des adversaires. Pas à l'abri d'un choc. Après, ce qui est difficile, c'est plus la map avance, plus les gens ont de vitesse, Sky plus les chocs sont difficiles. Hein. Sky était sixième, il y a moyen de gratter encore des places sur Sky. C'est bien, il rate pas ce bunny, il rate pas la transi. Il fait une belle cinquième place. Cinquième, mais devant Sky, et ça c'est devant plutôt Sky, bien. C'est bien, ça fait plus 1, mais Toon. Et plus 1 par rapport à Sky, bon, c'est toujours ça de prix. Toon est bouillant. Après, j'ai confiance parce qu'après on a Onutram qui est monstrueux. On verra. J'espère que je jouerai aussi bien que lors des entraînements. C'est très chaud, mec. Ok, on va passer sur, la deuxième map, qui est une map aussi très compliquée. Elles sont toutes compliquées en réalité. Donc là, ça va être la map avec l'avion à la fin, où il ne faut pas se faire avoir, il ne faut pas se faire écraser. Parce que le timing est assez serré, vous allez voir. Il y a pas mal de sauts à faire, il y a moyen de se retourner à plein d'occasions. La prochaine map est difficile. Ouais. De toute façon, je crois qu'il n'y a aucune map qui n'est vraiment facile. C'est-à-dire que même la première qui semble être facile,
Bah en fait, du coup, ouais. Tous les joueurs la finissent et marquer des points, c'est aussi compliqué. C'est-à-dire que quel que soit le succès de la map, c'est pareil. C'est ça. Mais bon, pour le moment, écoutez, on a un Justin qui tient. Je vais peut-être fermer mon Trials, moi. Pardon, excusez-moi. Hop, on a un Justin qui tient, c'est le plus important. Allez. Allez, c'est parti sur cette map. Voilà, on se place bien, la transition est bien faite. On est sur une Mantis. Hein. Mantis, oula. Hop, 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 c'est bon. C'est ouais, on est de retour sur la Mantis, donc la Mantis... Tu es à l'aise avec la Mantis, Justin, donc il n'y a pas de souci. La Mantis qui est, est donc celle qui accélère très très vite, mais qui a une vitesse de pointe un peu plus faible. Ça permet donc de faire un peu plus, on va dire, de freestyle, d'arrêt, de reprise, de... Il va falloir reset. Et la moto freestyle, ouais, il faut reset ici, c'est... On va avoir reset, malheureusement. C'est pas grave, c'est la première... Il y a eu trop d'air là, c'est la même connerie. Ça le fait, ça passe. C'est bon, on se crache pas. Ce passage est très tendu, honnêtement. Et il n'y a pas que celui-là. Il n'y a pas que celui-là, ouais. Ah, le petit freeze de mon côté, il n'y a pas de souci. Oh là là, mon PC qui... Bizarre, non, c'est bon. Allez. Au moins finir, on mettre ses points. On ne pas écraser, du coup, on peut terminer. Mettre ses points. Mais cinquième. Au final, cinquième. Avec deux resets, hein. Avec deux, c'est bien. Deux resets, cinquième. C'est bien, mec, c'est bien, c'est bien. Un reset seulement, hein. Non, 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 il a refait la même erreur, il a re-reset. Ah non, 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 un reset, un reset, un reset. Pardon, pardon, oui, un reset. Mais ça reste, non, tranquille, ça reste une cinquième place, c'est bien. Je sais que, je sais qu'il... Il va la rentrer sans reset et ça va marquer le puntos. On en est où actuellement? C'est Blue Majestic qui a pris les 10 points. Oh là, je sais plus, safe. Blue Majestic, c'est la team de qui? NHPS ou... J'espère pas. Ils ont pris 10 points là, ça... ils se font un plus 6 là, c'est violent. Hein. Allez. Allez, allez. C'est reparti, on y va sur le départ. Oh, ça passe, j'ai un peu peur mais ça passe, pas de soucis. Cette map est vraiment compliquée. Hein. La map est très complexe, la moindre erreur te fait perdre des places et la moindre erreur te demande de reset et la moindre erreur te demande de, c'est ici, c'est de repartir ici, mentalement. Compliqué. Si tu le passes du premier coup, ça te met bien, si tu le passes pas du premier coup... Voilà, non, c'est ici, pardon, c'est maintenant. Hop, c'est pas grave, vaut mieux de choc maintenant que après. Même connerie 40 fois. Il faut mettre choc maintenant que après, honnêtement. Voilà, c'est là. Ah, dommage. Ok. Le passage est extrêmement difficile. La roue arrière, bah en fait, c'est la roue arrière qu'il faut taper en premier pour pouvoir prendre la vitesse, c'est vraiment difficile. C'est bon, ça passe. Vraiment dur. On va pouvoir regretter quelques places. Sixième. Ok. Ok. Félix, on se fait pas écraser, on perd de la vitesse, mais on se fait pas écraser. Enfer. Oh là là. Non, on est bloqué, c'est dommage. C'est dommage. C'est une run dommage. C'est une run dommage. On a droit à une run dommage quand même. C'est une run dommage. Y'a pas de soucis. Allez. C'est le choke. C'est pas très grave, un choke, ça arrive, hein, ça arrive à tout le monde. Même aux gros joueurs, hein, vous avez vu Fusio aussi avant, ça lui est déjà arrivé de faire une 6ème place, 7ème place au slow et tout. Ça arrive. Pareil. Ça arrive. Il vaut que le jeu a un mauvais coup de joystick, on se retourne, c'est terrible. J'ai l'impression qu'il n'a pas un lobby facile non plus. Allez. Ça repart. Allez, c'est parti, on encourage Justin bien sûr. Bah oui, oui. On encourage Justin et c'est... Franchement, les joueurs Trackmania, Trials et tout, je les trouve exceptionnels parce que vous vous rendez compte que c'est des heures et des heures et des dizaines et des centaines d'heures d'entraînement pour arriver sur un moment où un choc te fait perdre. Quoi. C'est vraiment très dur. En fait, ce sont des là, elle est magnifique, sa run. Oui, la transition, elle est vraiment propre. Hein. C'est plutôt pas mal. Elle est magnifique, sa run. Ce sont des jeux où il faut, travailler la mémoire musculaire et donc il faut traîner énormément. Tu peux pas le faire en un jour, il faut bien répartir ses trainings. C'est très compliqué, c'est un investissement de traîner ces jeux-là. Arrêté par l'avion. On a pas... Attends, mais pourquoi ça fait ça d'ailleurs? Oh, ça va. Parce que l'avion s'écroule et si tu. Tu peux te faire écraser donc. Oh, heureusement, il je te fais pas écraser. Oh, c'est... attendez, mais c'est quoi c'est... Deuxième place, deuxième. C'est bien, c'est propre, bien joué. C'est bien, mec. On se fait spoil évidemment. C'est. En fait, c'est de la micro-mécanique, c'est de la mémoire musculaire, c'est de la. Mais aussi de l'adaptabilité. Enfin, de l'adapta. Je sais pas parler en fait, mais savoir s'adapter parce que. Parce que le truc, c'est que des fois, il se passe des choses inattendues. Regardez Toon qui galère, Toon qui ne finira pas. Où il va finir 7ème ou 8ème. Qu'est-ce qui se passe? Il
Il a 5 sauts. Non, il finira pas. Il finira pas. Il finira pas. Il finit, mais. Il finit pas. C'est du. Ah, si, il a fini pas. Il a fini, mais il a Artchoke. Et il y a Sky qui a fait 5. De prendre plein de points sur Toon. L'équipe de Fusio, c'est très important. C'est super. Ça, c'est top. Le plus 8, alors que Toon prend un plus 2 et que Sky prend un plus 4. C'est bien. Après, ils avaient beaucoup d'avance. Hein, donc là, je pense qu'on est sur 5ème actuellement. Surtout que Majestic, what the fuck. Je ne connaissais pas ce joueur. Je ne sais pas avec qui il est. Mais là, il enchaîne les premières places. J'ai l'impression que c'est un peu le mec fort de cette team hein, sur Trials. Ouais. Peut-être un gros joueur Trials de base. From 8 ou 2ème. Bah, ça, vous savez, c'est vraiment le. C'est Trials. C'est-à-dire que. Ça peut arriver. Hein. C'est comme sur Mario Kart. C'est ça. C'est pas. Encore une fois, un super jeu. Une game peut être choc. Celles d'après peuvent très bien se passer. Enfin, vraiment, c'est. Là, encore une fois, la Mondrea, c'est de la merde. Arrivé à tout moment. Hein. Oh, c'est pas vrai. Il y a aussi ce côté rester focus qui est c'est difficile. Hein, parce que quand on fait une erreur, on s'en veut, on peut tilter un petit peu. Et c'est difficile de se remettre vraiment dedans. Surtout que bah, quand tu reset, du coup, t'as plus les mêmes sensations. Parce que du coup, tu respawn en arrière, t'as pas la même vitesse, t'as pas. C'est compliqué. Allez, roue arrière qui touche, bonne transi. Allez, go go go. C'est vraiment le jeu, comme Trackmania. Quand tout va bien. Mais dès que tu fais une erreur. C'est infernal. Ça peut faire c'est mal. Terrible. C'est ça. C'est extrêmement snowball. C'est bien, il est en train de rattraper son retard. Oh, il s'est même pas fait gêner par l'avion en plus. Dommage. Est-ce qu'il peut prendre la place ? Dommage. C'est une cinquième place. Cinquième place, c'est pas si mal honnêtement vu le départ. Ouais. C'est la dernière Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de. Non, il y en a encore une. Il en reste encore une. Une, ouais. Au moins une. Et après, ça sera à mon tour, évidemment, pour terminer la session Trials. J'espère que ça va bien se passer de mon côté. Oui. Pas de pression, pareil. Ça dit oui. Tu voudras te mute ? Je pense que je me muterai. Ouais. Voilà. Je pense que je me mute. Bien sûr. Sur Mario Tennis, je me mute pas, mais là, on n'est pas sur Mario Tennis. Je suis pas aussi confiant. Toon, ok. Donc on se mutera. Ok, je crois que ça va être la dernière. Je pense. Je pense que ça va être la dernière run. Ouais. Ouais. Ok. Ouais, ouais. Okay, allez, let's go. Pour la dernière. Ok, le début qui est bien. Le début qui est bien. Ça passe tranquillement. Ok. Il continue, il sait ce qu'il fait. Il connaît la map. Il a fait je ne sais combien de fois. Il a régu diamant. Pas sur celle-là, c'était sur Urbex. Ah, c'était l'autre, pardon. Ok. Oui. Celle-là, il est moins à l'aise. D'ailleurs, bah, ça peut se voir aussi. Hein. Mais c'est très compliqué hein, de traîner cette map-là. Hop. Elle est longue en plus, elle est longue, elle est longue il y a beaucoup ouais. de sauts. Moi j'en ai une normalement après qui n'est pas aussi dure honnêtement. Par contre, bon, Shanghai, celle-là... Bon. Et pourquoi nous on se prend l'avion tout le temps en fait ? Parce que putain, là, la transi la fait pas assez vite, c'est ça ? Il faut... Ouais, c'est... en fait c'est ici, ça tout se joue ici et c'est très compliqué. C'est mort après, c'est trop tard. Genre là par exemple. Non, c'est pas... Ouais... Faut foncer. Oh, il est encore 5ème. Ça passe. Oh mec. Oh, il y a tellement de choc. Il y a tellement de choc. Alors, Stone qui finit premier, par contre, ça c'est pas une. Ah non, quoi, troisième, non, troisième. Ok. Sixième. Sixième, c'est bien. En vrai, c'est bien. Je sais pas le classement général, là, on va voir. Ah, je pense que je suis 5. Tu peux l'afficher le général ? Non, t'es 5. Je pense pas que tu sois. Si t'es 6 général, c'est quand même chaud parce que t'as. Je rejoins Justin avant qu'il quitte, c'est ça ? Je sais pas. Non, va sur le Discord. Non, va sur le Discord, ouais. Okay, je veux bien que t'affiches le général. Je sais pas comment on fait. Bah là, t'appuies sur continuer. Et tu auras le classement général normalement. Ok. À 6ème. Je crois que c'est 6ème. À 1 point. Un point. Après, ils vont ajouter tous les points, c'est ça ? Ouais, ouais. Ah oui. Ouais. Ok. Majestic, il a fait une perf de fou. Ah, il a été incroyable. Non, c'est pas Idan, donc faut que j'ajoute Idan. Ok. Idan, tac. Ah. Ok. Ok, bon, je vais aller sur le live de Onutrum. Attends, quitter le mode planète. Ouais. Je vais aller sur le live de Onutrem parce que du coup, on va passer sur la POV Onutrem, messieurs, dames. Voilà. Ok. Du coup, moi, je vais me mute, je vais me concentrer, je vais pas bientôt rejoindre le lobby. Concentre-toi. Ok, il m'invite à rejoindre une partie. Parfait, on va couper du coup le son de la team. Donc, bien sûr, commenter. Je pense que Justin. Justin ? Voilà. Oui. Oui. Bah, du coup, il est mute, donc on va pouvoir discuter entre nous. Ouais, du coup, c'était dur, mais c'était dur pour tout le monde. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de chokers et tout. Et celui qui a fait premier, je sais pas si t'as vu, Justin, c'est un joueur qu'on ne connaissait pas. On ne sait on pas. On l'a jamais vu dans aucune scrim. Pardon. Il nous a bien. Bah, il nous a labouré, quoi. Mais il a fait premier.
Il a fait premier tout le temps. Et il a fait premier vraiment tout le temps, ouais. Bon, du coup, là, ça va être Onutrem. Onutrem qui a plutôt un bon niveau hein, sur le jeu. Il a beaucoup, beaucoup joué. C'est limite une carte à jouer pour nous, là, Onutrem dessus. Évidemment. On le voit, il est en train de respirer. Mais il faut rester focus. On va peut-être pas parler fort pour lui mettre la presse, mais voilà, c'est pour ça que je parle un petit peu bas dans le micro. Ouais, pareil. Go soutenir Onutrem au maximum. Mais oui, maintenant. Allez le soutenir. Leak de la boutique de la casquette, mais pas du tout. Cette casquette existe sur la boutique depuis tellement longtemps. Attends, vous la voyez mal en plus. Bah depuis le début, hein, il y a cette casquette boule. Ah, les boules, hein. Les boules, c'est important. Ah bah, c'est la base. Les boules, c'est mieux. Oui, tout à fait. Ouais. Ok. Boule. Ok. Bon, là, il y a Idan, je sais pas ce qu'il vaut. Voilà, il y a Auro, alors là, Yoharo à suivre. Yoharo, c'est Yoharo, la team de Skite, etc. Voilà. Vous avez bien lavé sur Battle Rite. Très chaud. Voilà, ah non, mais la team de Skite Oslo, ils sont bouillantissimes, oui, attention. Ils sont bouillants. Donc on va voir Yoharo, on va voir aussi Idan qui fait partie de la team Wingo et tout. Et je sais plus le nom du troisième de la team de... Je ne me souviens plus non plus. Ah ouais. Je peux pas te mentir que 200 personnes à retenir, c'est compliqué. Et en plus, il y a un truc devant Zoro, c'est Zoro je crois. Zoro il me semble que c'est Zoro. Ok. On va checker ça, mais je crois que c'est Zoro. Il me semble que c'est Zoro. Nema, non c'est pas eux le troisième, si. Cinéma le troisième ? Alors attends, du coup j'ai un doute. Cinéma, alors attends. Ah non. Attends. C'est un mec qui joue pour Arma, mais je sais pas qu'est... Enfin... Ah si, c'est Nemaides, si. Nema ? Apparemment. D'accord. Apparemment. Okay. Ouais, bah donc, c'est donc, team bouillante. Ouais, team bouillante. Une team assez bouillante. Ouais. Ouais. Ok, donc team bouillante, ouais. team bouillante. Bon. Donc on a Aftermath et on a Shanghai Scrappers qui sont vraiment des maps très très difficiles. Ouais. Bah c'est marqué au-dessus hein, de toute manière Shanghai difficile. C'est une map, je crois que c'est une map du... Bah de la... C'est pas une map custom, hein, c'est vraiment une map du jeu. Tout à fait. C'est une map du jeu qui est considérée comme très dure, une map finale un peu... Oui. C'est ça. Mais je pense qu'on peut faire confiance à notre mate. Il a bien traîné et puis c'est un joueur régulier. Hein. Onus, c'est un joueur régulier. Il joue à Mario Kart. Il a les mécaniques et voilà. En fait, le truc est bien avec Onutrem sur ce genre de jeu, notamment, c'est que c'est quelqu'un qui est plutôt régulier, qui a plutôt un bon mental, qui est mécaniquement stable. Tu vois, il sait ce qu'il fait quand il joue et tout. Donc, il est en full focus, c'est bien. Et puis ça va pas tarder à partir. Et en vrai, je sais qu'il peut faire un vrai truc. Oui. Pas un vrai truc. Clairement. Et merci à tous pour le soutien. Vous êtes. Oui, c'est insane. Incroyable. Non, mais ce joueur-là, j'ai jamais vu ça en fait. J'ai jamais vu ça. Oui, c'est assez insane. C'est aussi pour ça qu'on a trop envie de jouer. Mais oui, j'ai juste envie de jouer et de vous rendre fier. En fait. Donc là, on attend normalement. Le lobby va pas tarder à se lancer. En tout cas, t'as fait 6ème. T'as fait 6ème. Après, le classement, on s'en fout. Je crois que c'est les points. Je crois, les non points c'est une bonne. Je sais pas. Je sais pas du tout. Mais. 5ème, 6ème. Ça part. Il choisit directement la Mantis. Amantis, hein, qui est très quand même compliqué à gérer parce qu'elle part vite et du combo très très vite, donc forcément le moindre coup de stick c'est fatal. Un enfer. Ouais, c'est fatal. Ça va très très vite. Franchement, pour les règles, je sais pas, je vais peut-être checker très vite fait ce qui se passe. Ok, ça part. Ça part pour Onu. Il sait ce qu'il fait. Il fait il sait, non, il sait. Vraiment, je vous jure, il sait ce qu'il fait. Voilà, c'est-à-dire que là... Les moves sont incroyables. Ouais, les moves sont incroyables. Y a aucun problème. Oh, le bunny est... Il est... Non mais... Ok, c'est bon. Non mais c'est bon. J'avais déjà beaucoup confiance. Là, j'ai encore plus confiance. Là. Par contre, je suis quand même étonné de la room parce que là, déjà, pour le moment, personne ne s'est crash encore. Ah, c'est ça. Non, mais la room, merde. Personne ne s'est crash encore alors que c'est une map où, en général, bon. C'est ça. Ok. Le bunny est trop stylé. Cette transi donut. Ouais. Hop. Le poids vers l'avant. Il prend la speed. Bunny, c'est très serré. Un petit peu d'airtime ici. Ouais. Oh, le lobby de baiser. Oh, le lobby, il est stack. Oh, mec, c'est abusé. Le lobby, il mec, est vraiment stack. Sa run a été impériale. Il est... Et le lobby est stack. Il allait... Mais c'est un truc de fou. Je suis en train de checker par rapport au point, comment ça fonctionne. Mais oui, c'est assez dingue. C'est assez dingue. Tranquille, c'est une... Et je m'étais mute, mais vous m'entendiez pas, les gars. Mais ok.
C'est bon, vous m'entendez normalement. Oui, on t'entend. Dès que le lobby est très stack. Oui, bah, ah, tu nous entends aussi? Non, je vous entends pas de loin, mais le lobby est très très stack. Donc il va falloir rassurer. Non mais tranquille, tranquille, joue ton jeu. Allez. En vrai t'es chaud. Joue ton jeu de ouf. On s'est pas crash, honnêtement, on n'a pas fait nos meilleurs airtime, mais allez. On y va, on reprend confiance. C'est parti. Sixième sans crash. Hein. Après, peut-être que tout le monde s'est gavé aussi. Hein. Peut-être que tout le monde s'est gavé, que le faut attendre un petit peu pour savoir si c'est vraiment. C'est-à-dire que là, peut-être que personne a choc. On va pas tenter ça, on va la jouer plus safe ici. Vraiment, joue comme tu le sens. Vraiment. Le début. Peut-être je perds du temps sur le début, mais ils sont tous devant. Hein. Ils sont tous devant. Je sens que ça régule le diamant. C'est ce qu'on verra. Allez. Il y en a un qui a loupé le cut. Il y en a un qui loupe le cut. Après, je pense que le truc de ces maps-là, c'est que ce sont des maps difficiles. Donc, ils ont peut-être mis les joueurs les plus expérimentés des équipes sur ces maps-là. Okay. Ben, je sais pas trop, parce que Wingo a fait quand même les premières. C'est vrai, c'est vrai. La vitesse. Là, regarde, il est bien. Là, il est bien. En vrai, t'es bien. La régule, il a une bonne vitesse. Là, il penche vers l'avant. La transi donut, elle se fait bien. Par contre, ils sont trois devant, c'est qui? Flambiscuit, Zero. Alors, Zero. Oh oui, c'est propre, ça. Il y a... Alors, Yaoro, je crois que c'est la team Sky, Zero, je crois que c'est la team... Si on finit encore une fois sans scratch. Bien joué, bien joué, bien joué. C'est bien, mec. C'est quatrième, le niveau, c'est le niveau de la room pas est... Pas est pas oui, non. Oui, mais c'est insane, très élevé, c'est insane. Hein. Oh. C'est-à-dire que je me plante pas, et je fais quatrième, sixième. C'est... Oui, ils sont monstrueux. Vaut mieux pas que je me crache, honnêtement. Hein. Allez. Nefari qui avait fait premier, là il fait cinquième. Hein. C'est fou. Je crois qu'il a essayé un cut qui est très difficile. Cette map, en fait, c'est... Soit tu prends les cuts qui sont hardcore, et du coup tu passes devant de fou. Toi, tu la joues safe, tu te craches pas, tu fais pas le meilleur temps, mais au moins t'es sûr de la finir. C'est ça. Pas mal. Oh oh, y'a pas de soucis, on y va. Oh, il est bien. Oh, il est bien. Là, y'a une transi, est bien. Je sais pas avoir pourquoi. Un peu de vitesse. Je sais pas pourquoi il s'envole sur cette d'ailleurs. Ok, c'est bon, je me suis penché pour pas le toucher. Okay. Faire attention de ne pas se renverser ici, c'est très important. Donut qui passe. Pour le moment un peu tendu. On descend les cinquièmes. Là, la room est énorme. C'est un truc de fou. Et on se concentre pour terminer, évidemment. Nefari, Yaoro, Flambis. Pas se crash maintenant. Ah, ils sont très très chauds, ils sont très très chauds, on verra sur Shanghai Scrappers, mais c'est quoi ce lobby de malade? Wow. Cinquième, c'est bien, non mais cinquième c'est bien, c'est allez. Bien. Ah oui c'est bien, c'est régul, hein. En fait t'es régul au nu, hein. C'est top. Hein. Ouais. T'as pas de choc une fois, c'est top, mais c'est juste que c'est... La roue est infecte quoi. En vrai c'est hallucinant. C'est vraiment la poule de la mort, hein, évidemment, on est toujours dedans. Hein. Après, on a pas vu les autres rooms ils sont peut-être aussi monstrueux. Hmm. C'est pas littéralement impossible non plus. Ça fait, allez. Ça fait. On y retourne. Ok. Allez. Et c'est parti. On est bien, on est pas mal placé là cette fois. Ouh, ça c'est propre ça. C'est une belle transi. En fait, vu qu'il est régu, voilà. On peut qu'il arrive à prendre des bonnes places, c'est bien. Il réduit bien son airtime lean. Là c'est ok, un petit peu trop ici. Un petit voilà. Peu ça c'est un petit peu trop derrière. Ça fait des rotas, moi je prends pas de risque. Mais t'as raison. Transi donut. Ouh, ça c'est pas mal ça. On va chercher une quatrième place. En fait, on régule. On fait pas des temps exceptionnels vu c'est très régulier, on régule pour l'instant et ça, c'est très important. Bah, regarde, pas genre... se crash une seule fois. Ah non, mais il m'entend pas, je suis con. Mais oui, c'est très régulier. Par exemple, Yaoro, qui a terminé plusieurs fois premier. Au final, là, par exemple, il fait dernier. Donc, en vrai, Onutrem, il est très, très, très régulier. C'est hyper important. Hein. C'est en vrai, il prend ses points. Il prend plus 5 à chaque game. Allez. Ok, c'est la dernière sur celle-là. Ah, les dernières sur cette map-là.
aller chercher à nouveau une quatrième place, ça nous permettrait d'être au général plutôt, plutôt pas trop mal. Et j'ai pas assuré de fou ici, mais c'est pas grave, on est quand même pas ultra mal. Je précise qu'il y a un peu de délai entre ce que dit... Malheureusement, le premier choc qui arrive au niveau de la transition, c'est dommage. Ah, dommage, ouais. Il y a un petit délai entre ce que ONU dit et ce que vous voyez, étant donné que je suis sur le live de ONU. Il y a une petite... C'est plus compliqué. Putain, là c'est chaud, là c'est très difficile, il y a eu un choc. Ça va être trop chaud là, il va falloir aller chercher une sixième place peut-être maintenant. Un choc un peu fatal. Ah non, là c'est le début de ville, je pense que celle-là c'est mort malheureusement, c'est compliqué. Ouais. Crash une fois c'est terrible. Ouais, tout le monde termine malheureusement. Ah, il y a eu un choc. Ça termine, ouais. Non, je m'en veux un peu, mais bon, c'est la dernière fois sur cette map. Allez, il faut finir au moins pour avoir au moins un point. Ouais, tu l'as fini. Mais... Ah non, septième, oui. Septième, ok. Septième, bon, arrive. Tu l'as fini. Terrible, hein, ce petit crash là. Mais mal. He's ok. Ouais, dommage. On aura fait plein de chocs sur les 5 maps. T'as été régu quand même. Aïe. Ouais, mais là, c'est que 2 points. Ouais, mais t'as été régu. Tu peux voir le général en cliquant une fois. Voilà. Et là, t'as le général. 5ème au général. 5ème. Après, c'est très stack devant. Voilà, ok. Très stack. 2ème map. Ouh, c'est dur, hein. C'est difficile. Allez, Shanghai. Il y a moyen de faire des trucs. Shanghai, j'ai l'impression que ce lobby est très chaud parce que comme il y a la map difficile, ils ont peut-être mis des joueurs assez bouts. C'est probable. Et Shanghai, map très compliquée. On va se crash, va falloir être rapide sur les resets, si jamais ça arrive. Allez. Une map horrible. Elle est pas ouf. Elle est immonde. Elle est très compliquée. Ouais. Elle est vraiment Zerator tier en termes de... Zerator non mais tu vois ce que je veux dire, en termes ouais, de type oui. De map quoi. C'est vraiment le genre de map où t'as des cuts, des trucs de régu, enfin c'est vraiment... Pourtant normalement... Ah non, là c'est pas bon. Il fallait. Ce fail ici c'est terrible. Et après pour revenir, c'est un peu la galère. Je vais y arriver, mais. On restabilise. Voilà, en fait c'est dommage. Okay. Si je le passe du premier coup, c'est très facile. Le refaire en deuxième temps, c'est vachement plus dur. C'est compliqué, ouais. Il y a certaines règles comme ça, il faut vraiment. Là, pareil, il faut descendre tranquillement. Allez. Tourne. Oh non. Oh là là, ça c'est pas de chance par contre. J'ai vraiment pas de chance, là je suis un peu deck du coup parce que j'ai plus ma vitesse en fait. Là j'ai plus ma vitesse, ah c'est terrible. Là les passages sont compliqués malheureusement. Là c'est un peu la panique malheureusement. En fait faut le réussir du premier coup, si on n'a pas la vitesse, après c'est une galère monstrueuse. Je me la suis pas mis en jambe ce matin, malheureusement j'ai pas eu le temps. J'ai fait hier. Voilà, galère de cette map. Ouais. Elle est infâme. Ok. Elle est vraiment infâme. Oui, elle est horrible. Est vraiment infâme. Allez, faut que je reste focus. Au moins la terminer, au moins mettre ses points. Mais on voit vraiment que... Ah, ouais, on va même pas la terminer du coup. Au niveau du classement que... C'est dommage. Il en avait pas le temps. Ouh, allez, là c'était tendu. Il y a eu un passage terrible au début qui m'a mis dans la sauce. Là c'est dur par contre. Mais t'es 0 points là le... Bon, mais parce que normalement je la finis celle-là. Ah, on gratte des points quand même. Ah, t'es 6ème. Okay. Ouais, les checkpoints, tous les checkpoints. Des points, mais elle est giga hardcore celle-là. C'est un truc de fou. Allez. T'es 6ème en ayant. Je peux la faire sans mourir. Et mourir une fois. En fait, je suis mort à un endroit et c'est terrible parce qu'après on a plus la vitesse. Allez. La vitesse est très importante sur cette map. The speed. Oh non, je peux pas faire ça. Non, par contre là. Qu'est-ce que je fais? Oh là là, le truc au début qui est terrible. On a de l'os. Là, c'est la pression qui vient, parce que cette map là est tellement difficile, un choc est très très vite arrivé. Et c'est là où c'était difficile. On se fait spoil les chocs. Ça c'est bien, ça c'est vraiment bien, c'est un passage difficile. Allez. Nice. Oh, c'est pas mal ça. Là pareil, il faut pas se planter, ok. C'est bon. Propre. Là pareil, il faut la prendre correctement. Tourne, ok. Allez. La montée, nickel. Dommage de chier sur le début, mais dès le début il y a un truc à faire. Hein. Dès le début il y a un trick et c'est ça qui est chaud sur cette map. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment tranquille. Il n'y a pas de répit quoi. No répit. On remonte un petit peu. Ça c'est pas mal ça. C'est bien. Ouais. Propre. Il me fume au nu, il est tellement bavard quand il joue, ça me fume. Il est full bavard. Allez. Belle transi ça. Oh oui. Belle transi ça. Oh ça c'est propre ça. On passe. Let's go, la fin, troisième. Ah bien joué. Allez, bien joué. Bien joué.
Voilà, si je choque pas trop, ça peut le faire. Mais cette map, c'est que ça. C'est-à-dire, on choque une fois. Allez. Bien joué. Pas de pression, t'es bien, mec. Hein. Tu fais des trucs, tu vois, c'est bien. Mais hein. Même le début, il faut bien le prendre parce que tu peux te planter dès le début. Quoi. Ça paraît simple comme ça, le petit tremplin, mais c'est trompeur. Ah non, non, on sait que c'est pas simple. On sait que c'est. Tu choques partout. On sait que c'est pas simple. Allez, c'est bien. Ça met un peu en confiance. Bien, 6 points, ça c'est cool. Ouais, c'est super. En vrai, c'est super. C'est un jeu bien joué. Ça m'ultra bien. Surtout qu'on a fait 6ème tout Idan, à l'heure. C'est la team de Gob, Nefaril, c'est la team de. Je crois que c'est la team qui est 5ème. Hein. Ouais, d'accord. Mais je crois. Ok. Je sais pas, mais je crois, ouais. Et il faut pas choke le début, encore une fois. Le retournement de la roue, c'est pas grave, on perd pas de temps. On reprend même plus de vitesse, en fait, c'est limite mieux. C'est limite mieux. Oh, ok. Oula, what the fuck. Ok, très bien, c'est pas grave. On peut se replacer ici, voilà. Oh. Le passage un peu tendax. Le training qui paye. La vitesse ici, voilà, parfait. Ok. Et gestion du poids de la moto. Ouais. Ah, ça c'est toujours... En fait, on gagne du temps en faisant ça. On gagne du temps, limite, c'est encore bien. Oui. En fait, c'est des resets qui font gagner du temps, hein, pour le coup, ici. Il y a des resets value, ouais. Il y a des resets value. Mais voilà, tout est encore jouable, comme vous l'avez vu, jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout du bout du bout, cette game, elle est jouable, malheureusement. Le reset. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je manque vraiment de vitesse ici. Ça, c'est à cause du reset, malheureusement. Si j'avais toute la vitesse, j'aurais pu tout enchaîner. Là, je ne peux pas. Là, il va falloir finir. C'est le plus important. C'est zéro vitesse, hein. C'est vraiment un truc une fois, et après, c'est vraiment la débandade. J'arrive à aller assez loin. Est-ce que je peux terminer ou pas ? Regarde. Oui, c'est faisable. Goal à finir. Ah, ça va être chaud. Ah, c'est terrible. Cette septième, ça fait mal. Hein. Ça fait mal. C'est un truc à un endroit. Et du coup, je manque toute la vitesse. Ça me win ma run, quoi. Oh. Ah, c'est dur. Ça fait mal. Ouais. Allez, la roue, mais tac. La map ne pardonne pas. Ça me fume. Oh là là là. Et puis le lobby, ils sont tellement chauds dans le lobby. J'ai l'impression d'être en troisième phase de poule. Ah non, mais c'est genre vraiment. Oh ouais, non, mais c'est. Les gens sont très très forts. Deux points qui va pas être suffisant ici. Apparemment nous avons... Oui. Allez. Ok. Ça spoil, bah ouais forcément parce que je suis... je mate le live de Nutrem. Alors qu'il est sur TS avec nous, donc oui il y a un peu de délai. Donc on se fait spoil un peu, voir. Ce qui n'est pas la fin du monde. Non, c'est pas grave. Passe. Oh belle. Oh, il a joué. Oh, il a pas bégayé. Hein. Ah non. Oh non, oh non, mais quoi, mais ça, il n'y a pas la vitesse là. Ouais, c'est oui, j'avoue. Ici. Mais il bunny pas là. Le biais est quand même monstrueux. Hein. Je comprends. On se plante pas beaucoup. Voilà, 8ème avec un tout petit. C'est clean ça? Sérieux? Oh là là là. Mais pourquoi les bunny? C'est vraiment chiant. Pourquoi il fait pas droite, gauche? Ah, je sais. Parce qu'en fait, sur une pente, bunny, c'est très compliqué. En fait, une fois que j'ai plus la vitesse, ça fait comme tout à l'heure, malheureusement. Quand j'ai pas la vitesse, ouais, non, là c'est mort. Je peux pas la finir, malheureusement. Aïe aïe aïe. En vrai, Bunny avec une mantis dans une montée, tu pars très vite en arrière. Ouais. Yay. Ça dégoûte un peu, hein, évidemment. Je peux passer devant Zero quand même pour faire des points. Il faut Bunny du coup. Ouais, il faut Bunny direct quand on respawn. Ah, c'est une catastrophe. C'est très dur. Ah non, c'est dur. C'est la 8ème place, là, je m'en veux de fou. C'est chaud. Là, c'est très très chaud. Donc là, on a quand même 6 teams, mieux à l'entraînement, teams mais là, qui c'est termine. Catastrophe, je suis... Là, pour la team, c'est un énorme coup dur. Mais non, he's okay. Pas qu'il en reste encore une fois, mais là, ça fait très très mal par contre. Ouais, non, là, c'est un peu au fond sur cette map. C'était la dernière run ou il en manque une là? Pas qu'il en reste une. Ok. Allez. Oui, il en reste une, ouais, il en reste une. Et on peut, hein, on a fait une 3ème place tout à l'heure et c'est ça qui est fou, quoi. Et c'est ça qui est frustrant, c'est-à-dire que. Faut réussir à tenir la pression jusqu'au bout.
Ok, non, c'est bon, on se plante pas. On est encore là. Ok, nice récup. Bien, on a la vitesse. Ok, quatrième. Voilà, donc là, on n'est pas trop mal. Il parle trop. Bah oui, mais c'est son mode de jeu. Vous savez, c'est comme moi dans les tournois MK, par exemple, j'ai besoin de parler pour focus. Hein. Vous pouvez pas dire ça, vous le connaissez non. pas. Lui, il a besoin de parler pour focus. Il a besoin de dire ce qu'il fait, il a besoin de commenter. On est tous très différents hein, par rapport à ça. Oui, Il est plutôt bavard dans le tryhard en général, ONU. Voilà, une fois que j'ai la vitesse, les transits sont beaucoup plus simples. Hein. C'est très snowball comme map. La preuve, hein. Ouais, les transits passent en deuxième. Bien. On peut aller chercher peut-être bien quand une deuxième place là-dessus. Ouais, les transits passent ici, ça passe. Voilà. Nice. C'est une deuxième place. Nice, deuxième. Mais voilà, c'est ça qui fait. Bien joué, bien joué. C'est bien. C'est une map qui est giga plus 30, un choke, c'est mort. Et si je choque pas, c'est deuxième. Enfin, à savoir qu'apparemment, y a, dans d'autres lobbies, en gros, il y a 2-3 teams qui terminent cette map. Allez. Ah oui. Donc là, c'est vraiment. Là, nous, on a vraiment 6 personnes qui finissent au minimum, quoi. Ils finissent tous quasiment. Il y a pas de feinte, quoi. Heureusement qu'on fait ça, mais ça compense pas la 8ème place et la 7ème place qu'on a fait tout à l'heure. Hein. Non, mais ça fait du bien. Ça fait du bien le moral. Hein. Je crois que c'était la dernière. Hein. Aïe. C'était la dernière. C'est fou cette map. Hein. Cette map, elle est ultra dure à régu. En fait, pour régu une map comme ça, il faut y passer 300 heures. Enfin, peut-être pas 300 heures. Regarde le général. Appuie sur A. Ah oui, le général. Du coup, on est 5ème. On fera 5ème, je pense. On fait 5ème. Tu peux te unmute, hein, je pense. Enfin, comme tu veux, mais. Comme tu veux. Allô. Oui, nous entends. Bon bah vraiment désolé pour les deux chokes. Mais t'inquiète. Sur cette map, ouais. En fait, il y a des endroits, si je fail à un endroit, après pour repartir, plus de zoom et repères. En fait, c'est des trucs, si tu te plantes et que tu respawns, il faut bunny derrière des fois, tu sais, pour reprendre, alors que de base t'as pas besoin de bunny. Enfin, c'est l'angoisse. Ouais, c'est dur, c'est très dur. Donc si tu perds un peu de temps, tu perds beaucoup de temps, et derrière c'est terminé, après faut remonter, t'as la pression, et en fait c'est... C'est snowball, voilà. Et toi, ça te focus de parler, c'est ça? Moi, ouais. En fait, ça me permet de me réajuster. Ça me permet. C'est aussi ça qui me permet de progresser. C'est-à-dire que je m'auto-juge en même temps. Et ça, c'est bien. Ça, c'est pas bien. Okay. Et ça permet de, bah, si je fais plusieurs runs, que les autres runs normalement se passent mieux. Mais bon, là, on n'a pas assez de runs pour que. Et c'est dans mes habitudes de parler, de commenter tout ce que je fais au détail près dans les tryhards. C'est ce qui me permet d'être dedans. Mm. En tout cas, très dur. Hein. Très dur. En vrai, moi, j'avais pas forcément prévu que la room soit aussi stack sur Trials. Ah ouais, le niveau était ultra élevé. Bah ouais. Ça s'entendait pas forcément. Pourtant, on a joué quand même à Trials. Hein. On a joué, et puis surtout, moi, j'ai joué avec des gens de la Zilan et c'était pas ça. Bah ouais, je sais. Pareil. C'est pas ce point-là. À la Zilan, normalement, les Shanghai Scrappers, il y a 3 personnes qui finissent. Et là, ils finissent tous tranquillement. Enfin, c'est fou, quoi. Ouais, très chaud. Même sur la deuxième où je fais des. En fait, je faisais quasiment des temps, des temps platine, presque platine. Comme j'ai fait, si je tombe pas, je faisais des temps platine. Ça veut dire que tout le monde finissait platine quasi diamant en fait à chaque fois. Donc, super. C'est assez exceptionnel le niveau. Quand tu fais sixième à Shanghai sans un choc, la première run, ouais. Tu n'as pas reset une fois, tu as fait sixième. Je crois que j'ai pas reset. Ou alors j'ai reset aux endroits où c'est pas grave. T'as fait 6ème mec. Ouais, non, mais c'est hardcore. C'est hardcore. C'est horrible. Wow. Bon, allez. Mais allez. Maintenant, c'est notre moment là. C'est ton moment. C'est un moment. C'est un moment. Effectivement, la suite sera donc Warcraft 3. Warcraft 3, c'est un jeu. C'est un FFA. Il peut tout se passer. Petite info de la part des admins. Surtout ne pas montrer le lien de la game. De War 3. Ok. Parce que c'est une publique. Ah, okay. Apparemment. Donc faut pas que des gens rejoignent, évidemment. Donc faut faire gaffe avec les scènes et tout. Voilà, apparemment, c'est la petite info. Apparemment, il y avait quand même pas mal de rooms qui étaient stack aussi dans d'autres pools. Il y avait quelques pools stack, tu vois. Genre, apparemment, celle de Bren était bien stack. Il y avait. Ouais, apparemment, ouais. Ouais, non, mais en tout cas, gros niveau cette Dylan. Gros, très gros niveau. C'est un truc de fou. Il y a des gens qui sont là pour jouer. Hein. Après, bon, on s'y attendait à ce niveau-là en apprenant la poule le premier jour, mais. Quand même, peut-être pas à ce point, je pense. Non, à ce point, c'était un peu. Mais tranquille, faut qu'on focus aussi sur nos games. Ouais,
Ouais, je leur montre pas le lien, tout ça, tout ça. Normalement, Wingo va faire. Ok, ok. Ok, pas de lien. On va se focus sur War 3, donc du coup, alors je vois War 3, c'est ça? Oui, alors on sera sur le stream de Ponce, en fait, on va tout faire sur son PC, vu que c'est un système un peu particulier, c'est un FFA, mais avec chaise musicale, donc on va tourner. Ça, c'est un jeu où il y aura beaucoup de RNG aussi, parce que là, Trial, c'est pas du tout de la RNG, c'est les joueurs, s'ils sont forts, ils sont meilleurs, s'ils n'ont pas de train, t'es moins bon, enfin voilà. Par contre, les FFA, il peut y avoir des dingueries. Imaginez. Le meilleur des cas, si on arrive, ça arrivera peut-être pas, mais si on fait premier et que la team de Fusio fait 8ème, c'est énorme. Mais on va voir ce que ça peut donner. Pareil, Quake, c'est aussi un FFA, donc. J'ai envie de pisser par contre. Je crois que j'ai pas le temps. Hein. Ah. Non, je vais assumer tranquille. Tranquille. Alors. Je crois qu'il va falloir cacher le chat pour le prochain jeu. Eh oui. Le chat va être obligé d'être caché de toute manière. 10 minutes de pause, vas-y, je vais pisser en speed. Ah, il y a 10 minutes de pause. Ouais, okay. J'ai quand même lancé War 3 ici. Ok, nous on n'a pas besoin de le. Nous on fait rien. Tout se passe sur ton ordi. C'est ça. Mais par contre, je suis chaud si jamais il y a les codes et tout, rentrez-les. Ouais. Je vais aux toilettes en speed. Ouais, ouais, j'arrive. Je check le Discord. Je laisse quand même le chat en attendant. Hop, et je vous laisse avec les fleurs, bien sûr. A de suite. Ah ouais. Ok, donc c'est Oh, ok. Ok, on va devoir gérer. Mais non, mais ça va pas partir maintenant. Non, non, bah je me pose des limites, non, je comprends. Non. Bonjour, salut les fleurs. Bonjour. Ça va? Vous allez bien? Vous, on va vous êtes mettre tous les chats en même temps. Tac. Comment ça va? Aïe aïe aïe. On est là, hein. Bonjour, coucou. Oui, bonjour. Bonne fleur en fait, non mais Utsuru. Mais Utsuru, toi. Coucou. Ouais, on est là. De toute manière, vous le savez, après Warcraft. Okay. Vous savez que Ponce a joué à peu près 4 milliards, Warcraft 4 milliards d'heures de jeux, je crois, à peu près. Hein. À 1 ou 2 milliards près, c'est 4 milliards. Donc enfin, il a bien joué. Ce qui va se passer, c'est que vous avez vu Geoguessr hier où Justin il disait faut aller là. Il va faire pareil. Il va faire pareil, mais sur Warcraft. Donc on va faire nos petits bails, on va créer des unités, évidemment. On est sur un STR, hein, jeu stratégie en temps réel. J'ai l'habitude de jouer à des jeux de stratégie, j'ai fait beaucoup j'ai beaucoup d'heures sur Age of Empires 2. Pas le même jeu, mais il y a quand même une partie micro très intéressante. Et assez similaire pour le coup. Par contre, la macro, rien à voir. Donc la macro, c'est ce qui va être tout. Ça va être la gestion donc des bâtiments, des ressources, de la création d'unités. Et la micro, ça va être gestion directement des unités. Savoir dire quelle unité va attaquer quelle unité, où est-ce qu'on va les envoyer, etc. Et donc, Warcraft, c'est un jeu où il y a beaucoup de micros. Et c'est ça qui est compliqué aussi dans ce mode de jeu, dans la FFA. Dans un FFA comme ça, où si on va changer toutes les 5 minutes. Ça va être très compliqué à gérer parce qu'on va commencer un fight, d'un coup il va falloir changer, donc il va falloir back, ça va être assez fou. On a 2-3 strats, enfin on. Ponce a les strats. Ponce a les strats, il va nous les dire, on va les imposer. Voilà. C'est ça. En fait Ponce, vous voyez Geoguessr, est-ce que vous voyez quand vous jouez et qu'il y a un chat rempli de « Oh tu devrais regarder le panneau ici, mais va plutôt par là », bah ce sera Ponce. Ah voilà. Ponce va littéralement être derrière nous. Regarde, t'as une potion là, utilise-la, boum. C'est ça. Ce sera le backseater utile, et c'est ce qu'on lui demande, de toute manière. En termes d'heure de jeu, moi je suis à peu près à 4 minutes, donc je suis vraiment une grosse merde, donc je ne peux pas faire... il faut qu'il me dise. Je pense que je suis assez, on va dire, réactif. Alors on va pas être d'accord sur tout, des fois... Mais moi j'ai pas à ne pas être d'accord en fait, moi j'ai pas d'avis à poser sur la question, il me dit un truc, je vais faire pareil, c'est-à-dire que là, on va lui faire confiance parce que on est sur la même partie en fait, on a la même POV, on a les mêmes trucs, du coup faut que je lui fasse confiance, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a des trucs... je voulais faire qui était mieux, mais c'est pas grave, ça dépendra. Souvent il aura quand même plus souvent raison, il y a des moments il peut pas avoir tout le temps raison, c'est compliqué parce qu'en fait s'il joue pas c'est pas lui qui a la souris en main, donc il peut pas forcément avoir toutes les infos en direct, donc même si c'est pas le meilleur call, on le fera quand même, on suit jusqu'au bout. De toute façon, c'est un travail d'équipe, calls, on commit en équipe, on gagne en équipe, on perd en exactement, équipe. Exactement, c'est ça, voilà, il y a pas de... aucune pré... Encore une fois. Allô ? Oui. Oui, Justin. Oui. Qu'y a-t-il ? Oui, bon, rien. Oui, tout va bien, tout va bien. Tout allez. Va bien. Dans le meilleur des mondes. Ouais, mais voilà. Après Warcraft, ce sera un petit peu, ce sera un petit jeu de chill, un petit jeu où il n'y a pas forcément beaucoup besoin d'APM. Et on va faire un petit Quake. Vous connaissez Quake ? Quake, c'est vraiment un jeu de grands-parents. Hein. Un petit jeu de grands-parents où il n'y a vraiment pas besoin de, je sais pas, de
besoin de training, pas besoin d'aim, pas besoin de... Faut pas avoir un gros cerveau, quoi. He's ok. Donc on va... On a un petit peu de train quake. Voilà, quake c'est quoi? C'est on se déplace, on fait pampan, chouchou, on tire sur des gens, et puis voilà, c'est he's ok. Quake. Après quake, ce sera... Trackmania. Et normalement, Trackmania, c'est le moment où on brille. Normalement. Trackmania, ouais. Et re à toutes et tous. Re. Pas checker Discord. Full général, est-ce qu'on a des infos? Gros pipi. Ah bah vous savez, là, je suis pas chez moi. Hein. Pour aller faire pipi, faut que je traverse la salle, machin. Je me fais aggro par 17 personnes qui me demandent comment ça s'est passé. Il y a Étoile qui me raconte comment ça s'est passé. Kenny, il a perfect 100 sur 100. Ponce, tu as un dossier du map pool à télécharger et à mettre... dans les documents Warcraft 3 maps. Faut le placer dedans et le décompresser. Alors, dans ma pool, donc tu m'as dit... Regarde sur Discord, dans pool général. Ouais, pool général. Il y a un rare, je le prends. Je l'enregistre tout à fait sur mon bureau. Et je l'extrais où? Alors, c'est dans le dossier documents Warcraft 3 maps. Donc, extraire vert? Non, bon. Tu dois extraire les maps dans le dossier maps. Dans le dossier Warcraft 3 dans documents. En fait, tu vas dans tes documents. Ouais. Warcraft 3. Warcraft 3. Ouais, j'ai. Ça me louvre. Non, mais documents. Je clique sur documents. Tes documents, ouais. Voilà, t'as un dossier Warcraft 3 normalement. Ouais. Et là, t'as un dossier maps. Ouais. Il faut que tu prennes les maps qu'il y a dans, là-dedans. Alors, c'est quoi ce dossier là que t'as ouvert? Download. Non, tu vas pas dans Download, tu. Map. Tu poses les maps. Attends, Pierre, je te le fais. Audi. Je ne t'entends pas. Ah, ok. Juste, il me regarde, il parle. Je ne vois juste. Je ne vois que des lèvres bouger. Nice. Ouais, pas de problème. Je le ferme, hop, tac, tac. Voilà. Et je le réouvre. Tac, tac, tac. Bon, War 3, ça va être la guerre, hein, vous allez voir. War 3, ça va être la guerre. Donc,